Terima kasih telah menonton!

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Et voilà. Bonsoir tout le monde. Alors oh la couleur m'a l'air bien dégueu sur cette caméra. Qu'est-ce que c'est que ce bleu J'ai l'air à moitié mort. Ce qui est euh, en partie vrai, mais c'est pas une raison. On va essayer de me redonner un peu de couleur avec cette 622, c'est le nom de la petite caméra. Hop Ouais, c'est un peu mieux. Voilà. Bon bah j'espère que vous allez bien. Alors ce soir ça va être un live express, un live très court, je pense qu'on fera une heure ou deux, pas plus, parce que c'est un tout petit texte, à moins que évidemment vous ayez envie de plein de textes, qu'au bout de celle-ci vous ayez envie qu'on poursuive. Mais euh, l'idée c'est surtout de lire un texte assez court de janvier, c'est de vous montrer quelques belles images au passage. Euh, comme celle que nous sommes en train de regarder. Alors, un petit problème, euh, c'est. Euh, ça va être euh, impossible, en tout cas pour ce soir, de préciser à chaque fois que nous voyons euh, une image de quel manuscrit elle est extraite. Parce que le, le, les légendes des images dans le bouquin duquel je tire ça, c'est-à-dire les marges à drôlerie des manuscrits gothiques de Jean Viers, euh, les légendes sont, évoquent les sujets. C'est-à-dire que si on veut trouver euh, à quel manuscrit ça appartient, il n'y a que euh, comment dire euh, euh, Il y a que la Oh j'ai oublié le nom la Ah ben voilà j'ai un trou de mémoire Bon, le, la mention savante du manuscrit, à savoir euh, où se trouve-t-il, quel est le folio, si c'est sur le recto, si c'est le verso, euh, son petit numéro, voilà que j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas très très grave pour ce soir. L'idée de toute façon, c'est pas vraiment de faire une lecture savante, c'est plutôt de faire une lecture un peu amusante avec Jean Virs, même si euh, souvent les textes Jean Virse sont plutôt des textes savants qu'amusants, il faut bien le dire. Bon, Jean Viers, vous commencez à être un peu habitué sur la chaîne, ça c'est souvent que je vous en lis. Euh, je vous ai lu souvent des extraits par exemple de l'image médiévale, qui est un texte plus ardu, du moins dans son ouverture, qui est quand même consacré euh, à la logique formelle du Moyen Âge pour essayer de, de dégager euh, une place de l'image dans en général dans la pensée du Moyen Âge. Alors qu'est-ce que je fais avec cette caméra? Je fais vraiment n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi le pied n'est pas droit. Bon, sans de bois, il n'y a rien qui va... J'ai vraiment pas beaucoup préparé, hein, je dois bien le dire. Je me suis juste contenté de vous scanner les images pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle à mesure qu'on avance. Euh, donc, vous aurez juste la, la rubrication des, des euh, différentes enluminures, ce qui ne va pas vous être très utile, hein, parce que euh, ce n'est pas en sachant que c'est le MS485 Folio 4 vers que ça va vous aider beaucoup si on n'a pas le titre de l'opuscule. Et sa date. Sachez juste une chose, c'est que pour les manuscrits qui nous concernent, à savoir ceux qui ont trait au. Là, on va se concentrer sur les apparitions des singes. Pourquoi j'ai choisi ça d'ailleurs C'est juste parce qu'au cours d'un des lives précédents, la question a été posée dans, euh, dans le chat de euh, ce motif iconographique particulier qui a eu la vie dure dans le monde des images en, en Europe. Mais qui changera de place et de, de position, de, de signification à, à travers le temps. Et il y aura une transformation euh, importante de son sens euh, tout au long de l'histoire et il en prendra un tout autre à la Renaissance, notamment, euh, si je me souviens bien, dans un texte euh, de Marini, surtout. Et euh, on en fera plus tardivement, et c'est peut-être sous cette forme que vous avez été habitué à voir le singe apparaître dans la peinture de la Renaissance et un peu plus tardive, c'est-à-dire comme une espèce de, de réappropriation du stigma porté, du stigma porté sur la, le peintre. Donc le singe comme formule à la fois spéculaire et auto-ironique du peintre et de la peinture. pas, c'est pas du tout en ce sens-là, enfin pas du tout qu'il qu ne soit pas forcément... Euh, on ne peut pas l'affirmer. Peut-être que, peut que déjà, euh, dans les marges à drôlerie, euh, ça, ça a pu euh, stimuler l'imagination d'un annu mineur euh, de, 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 de comparer le, le singe à... De comparer le peintre à un singe, puisque vous le verrez, il y a un grand nombre de catégories sociales et de métiers euh, qui s'y voient euh, qui s'y comment euh, incorporer, manifester, euh, figurer, euh, tout simplement parce que le singe euh, prend sur lui toute l'idée de euh, la parodie. De, de la grimace, de l'imitation. Pourquoi pas le peintre hein. On verra là dans les quelques images qu'on regardera le, des singes évêques, euh, des, singes, euh, des singes moines, euh, des singes fileurs fil de laine, euh, des singes chevaliers, euh, euh, des singes étudiants. Enfin, C'est une figure qui reviendra sous plein de, plein de configurations possibles. Donc ça, c'est parce qu'il a, il a une valeur générique, si vous voulez, celle de l'imitation. Et c'est aussi en ce nom, d'ailleurs, que de façon peut-être plus fine, plus en profondeur, plus retournée sur soi, c'est-à-dire sur le monde des images, c'est-à-dire en référence directe au, au célèbre « art simia naturae euh, », l'art imite la nature, un des fondements de, de, la, mime, de la mimesis, c'est-à-dire l'art de la, la représentation et de la ressemblance, Donc, un grand héritage antique. C'est sous cette forme qu'il se thématisera à la Renaissance. Ce n'est pas le cas au Moyen Âge, où c'est plutôt une figure qui va, euh, on le verra avec Virs, dites-vous ça d'une façon générale, se déplacer lentement d'une de, de, créature euh, au début pensée comme euh, maléfique, donc avec euh, cette fois-ci une position qui serait symbolique, son image valant pour un caractère particulier, jusqu'à devenir plutôt une espèce d'opérateur euh, possible de plein de situations. Dans lesquels, eh bien, il vient juste signifier la parodie, la grimace, l'imitation. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais Oui, les. Euh, si j'ai pas de référence précise à chaque fois pour vous dire dans tel manuscrit, en regardant cette image, en regardant ce petit bout dans le minure, vous pouvez quand même dater d'une façon générale les choses qu'on va regarder ensemble, parce qu'il y a euh, une période assez courte finalement qui est concerné dans l'histoire de l'enluminure par ce qu'on appelle les drôleries, ces espèces de figures grotesques, un peu particulières, qui apparaissent. Alors là, vous ne le voyez pas, j'ai le gros bouquin de Jean sous les yeux, celui-ci. Voilà. C'est ça que je suis en train de feuilleter pendant que je vous parle. Les enluminures concernées par ce type de dérive extrêmement libre dont on aurait bien voulu euh, qu'elles eussent une signification euh, symbolique décryptable. Enfin, C'est des choses qu'on s'est un peu évertuées à essayer de traquer dans les marges des, euh, dans les marges des manuscrits pendant autant, essayer de voir euh, comment, euh, comment ça fonctionnait euh, symboliquement, si euh, s'il y avait une espèce de régime euh, complètement décryptable, euh, d'essence facile à assigner sur ces figures. Euh, force est de constater que toutes les tentatives faites dans cette direction sont plutôt hasardeuses. Toute les, la volonté d'essayer de donner une espèce de valeur fixe à l'iconographie euh, des petites bestioles, des animaux hybrides, euh, des bizarreries ahurissantes qui vont grouiller dans les marges pendant cette période des marges à drôleries. Euh, force est de constater que c'est très hasardeux de leur assigner une valeur euh, symbolique. Mais ça, c'est une tentation grande. C'est la même qu'on a généralement quand on essaye euh, de rabattre euh, les, les bestiaires. Euh, qui euh, occupe les, euh, les tympans, les frises, euh, voire les chapiteaux euh, romans euh, d'essayer d'y trouver aussi systématiquement euh, une valeur symbolique pour telle ou telle figure. Euh, et là aussi, souvent, euh, bah, c'est pas souvent le, c'est un abus, un abus interprétatif, que de limiter euh, cette foison euh, là à euh, une piste d'exercice. Euh, de, de communication, si vous voulez. Je crois que c'est des très mauvaises habitudes bien contemporaines qu'on a prises, de considérer que les images sont euh, des contenants de discours et du coup, c'est à l'aune de ces certitudes qui sont plutôt des habitudes vite et mal prises, c'est à l'aune de ça qu'on va regarder les objets de l'histoire, regarder les figures de l'histoire, les, les images, les sculptures, etc. C'est etc. Je vais vous le lire cette fois-ci. Ces images considèrent une période assez courte, finalement, qui ne s'étend que sur un petit siècle de rien du tout, euh, approximativement de la moitié du XIIIe jusqu'à la moitié du XIVe, en gros. Voilà, 1250, 1350, c'est à peu près l'écart le, 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 dans lequel on voit apparaître les marges à drôlerie des manuscrits gothiques et peu à peu, on les voit tomber en désuétude et disparaître. Donc, elles ont ceci de particulier c'est que elles sont euh, foisonnantes structurellement et iconographiquement. Structurellement, ça c'est un truc qu'on pourra peut-être voir ensemble plus tard. Si je fous la deuxième caméra, on pourra mettre ça sous la caméra. C'est assez intéressant de voir que la configuration même des pages peut être euh, envahie, s'aborder, euh, rendue euh, chaotique, euh, bancale. On va de l'hypersymétrie à au contraire à, à l'apparent désordre, à des grandes zones de turbulence, aussi des zones de croissance des motifs qui peuvent envahir complètement une des pages, jusqu'à rendre le texte bien difficile à, à voir encore dans, dans cette foison et mettre en, en doute l'idée selon laquelle ces images seraient là pour en faciliter ou en accompagner la lecture, ça c'est... C'est très difficile à accepter quand on voit la place et euh, le désordre que peuvent représenter parfois ces marges à drôlerie. Et puis peu à peu, ce goût-là va un peu disparaître. On peut dire aussi qu'il y a des choses qui changent euh, dans cette période-là de façon assez sévère au niveau de la morale, tout simplement. Et il euh, euh, y a des, des, formes, des formulations euh, iconographiques qui vont disparaître notamment en, à mesure qu'un certain durcissement moral pourra accompagner certains types de représentations. C'est le cas, comme on le verra dans le texte, avec les figures représentant euh, l'analité ou, euh, ou euh, des, des parodies de sodomie qui sont très très présentes dans, dans les figures de singes et dans les marges à drôlerie il euh, n'y a pas euh, une condamnation violente et directe, il n'y a pas de hantise euh, du, du motif euh, anal euh, jusqu'à un certain point de l'histoire euh, du... j'allais dire du christianisme, non, on va dire du catholicisme cest à plutôt euh, de l'organisation si vous voulez, de, de l'église, des énoncés et, et de la cité qui est prise dans cette organisation. Il y a des changements assez importants à ce moment-là et, bon an, mal en, bah, les, les images euh, si elles ne peuvent euh, 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 délivrer certains types de euh, certains types de, de je vais pas dire de fantasmes, ce serait vraiment là une fois de plus, ce serait un abus euh, très euh, 21e siècle. Mais, euh, certaines poches d'imaginaire, certaines digressions rhétoriques, certaines propositions euh, tout simplement ludiques, parce que c'est ce qui caractérise euh, surtout les marges à drôlerie euh, du 13e et 14e siècle. C'est leur ludicité, leur caractère joueur, euh, dans tous les sens du terme, le caractère très euh, scandaleux aussi, qui les caractérise. Bah, euh, là, là encore, le scandale, il y a des périodes où on peut mieux l'énoncer que d'autres sous telle ou telle forme, dans tel ou tel endroit. Et ça, ça va disparaître. Après, enfin, il y a le goût qui va aussi changer beaucoup de choses. Le goût euh, tout court euh, des, pour les images, leur organisation, euh, leur prise dans euh, certains, certains changements de régime, dans euh, la place qu'on va accorder à la représentation euh, dans la vie sociale. Et euh, ça, ça change beaucoup de choses, évidemment. Il y a dans la catégorie euh, artiste, euh, même si elle est sensiblement différente à la période dont on parle et euh, assez bah, différente mais elle existe déjà hein, euh, c'est pas une invention du, du, du 21e siècle ou du 20e siècle ou enfin même en général on, on s'imagine que l'artiste c'est vraiment une invention très moderne la figure de l'artiste c'est pas le cas Après c'est compliqué D'avoir un discours général sur la place des artistes à cette période-là de l'histoire, de savoir quel type de créateur fait les images. On sait à peu près dans quelles conditions se font les manuscrits. Mais la personnalité, euh, au sens social, de chaque de tel ou tel enlumineur, son histoire précise, sa formation, ce n'est pas des choses euh, qu'il est très simple de documenter. De temps en temps, on peut le faire. Bon, on a quand même quelques textes médiévaux importants qui nous disent des choses de, de la place de, de l'artiste, de la représentation qu'on s'en fait à ce moment-là du Moyen-Âge. C'est des choses qu'on pourra voir ensemble parce que là aussi, euh, j'ai un peu de doc assez intéressante. Pourquoi je pense à ça Pas spécialement pour l'émission du jour, pas spécialement pour le texte de Virs sur les marges à drôlerie aujourd'hui, mais parce que c'est des questions non seulement qui reviennent souvent euh, dans le chat savoir est ce qu'on pouvait parler d'artistes à cette période est ce qu'on parle est ce qu'on a une représentation unifiée de l'art dans laquelle on pourrait inscrire des, des sujets des corps des euh, individus de, de la même façon dans cette question revient et d'autre part j'ai entendu aujourd'hui comme je me suis promis de faire un décryptage de la conférence de Lepage hein, sur l'art contemporain. J'ai réentendu aujourd'hui une intervention de celui-ci, où il est absolument persuadé que l'artiste tel qu'on en parle aujourd'hui, c'est une pure invention euh, contemporaine. Euh, ce qu'il faut. Alors certes, il y a des choses qui ont bougé, mais elles ont bougé, je dirais, dans l'accompagnement de la transformation graduelle de la catégorie art elle-même et de ses déplacements continus. Et ça, c'est une, une constante de l'histoire de l'art, que euh, de redéfinir inlassablement cette catégorie-là. Et c'est une chose qu'on doit entendre comme faisant partie de, dirais, de façon euh, intrinsèque, implicite, à la catégorie art, que euh, de ne pouvoir être suivi qu'avec les modalités de son changement continu. Vous vous doutez bien qu'à chaque fois que cette catégorie s'étend, se déplace, se reconfigure, change, se remodélise, euh, l'artiste, comme sujet de so dans la société, comme euh, acteur de cette société, bah, évidemment, bah, il change aussi. Hein. C'était tout con. Cool. Ça ne veut pas dire que, que euh, c'est une création très contemporaine euh, et euh, dont le. le comment. Dans les caractères euh, singularisants, serait juste une obsession euh, d'aujourd'hui. Ça n'est pas vrai. Bon, peu importe. On reviendra sur cette question ultérieurement. Aujourd'hui, on va juste lire le petit texte de jean Vire sur les singes dans les marges à drôleries. Alors, comme les images, je les ai chopées, euh, le texte lui-même ne vient pas de, euh, du livre Les marges à drôleries des manuscrits gothiques. C'est un. Euh, un petit texte qui a été publié dans un livre collectif. Donc, euh, il est désolidarisé du volume auquel il appartient. Je ne sais même plus d'ailleurs dans quoi il était euh, publié. Je peux regarder parce que ça pourrait quand même être un peu intéressant de savoir euh, qu'est-ce qu'on est réellement en train de lire. Alors, alors, je pense que c'est une intervention dans un livre collectif. Mais comme j'ai récupéré ça il y a très longtemps déjà, Les singes dans. Les manuscrits gothiques et hop, Virsa. Donc où est-ce que tu as publié ça euh, ta 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 ta, Bibliographie de Virs, les marges à drôlerie des manuscrits. Donc ça, c'est son livre euh, générique. La grosse somme consacrée aux euh, singes, aux singes, pardon, aux marges à drôlerie. Et là, on ne trouve pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar Alors là, voilà, les singes, les singes. Ah zut, on ne trouve que des euh, que des mentions générales de, de son gros livre. Donc euh, je vais pas vous pouvoir vous dire d'où est sorti ce foutu texte. Bah honte sur moi. Euh, voilà, ça m'apprendra à avoir mieux préparé ce petit détail-là. J'ai pas été très mordonné euh, sur euh, ce genre de truc. Je été. J'étais plus enclin. à à essayer de vous choper des bonnes illustrations. Donc, du coup, il n'y a pas forcément de coïncidence, j'espère qu'on en trouvera, entre euh, la galerie d'images que je vous ai trouvées, qui appartiennent au bouquin Les marges à drôlerie, et le texte qu'on va lire. Mais peu importe. Euh, je veux dire, par là, les images, bon ou mal an, illustreront le propos, on peut en être certain. Ah euh, là, voilà, voilà. Allez, j'y vais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment. Au cours du XIIIe siècle, les marges des manuscrits médiévaux s'ornent de plus en plus souvent d'un genre de décor que nous nommons les drôleries. Le truc dont je vous parle. Il se caractérise, ce genre, principalement par la substitution du caprice et du non-sens au sujet iconographique bien ordonné. Et prend sa forme définitive au milieu du siècle, dans le nord de la France, en Angleterre, puis dans les Flandres, pour décliner au milieu du siècle suivant. Comme je vous l'ai dit, on voyez que c'est un, une tendance assez large, puisque ça couvre France, Angleterre et Flandre. Euh, le mouvement euh, qu'il nous offre euh, montre euh, que l'expansion vient depuis la France, donc ça c'est probablement un sujet français, un genre français. Euh, et si, comme vous pouvez l'entendre, se substitue donc aux traditionnelles euh, organisations très rigoureuses, et on pourrait dire illustratives, illustrantes, ou morales, parce que pendant longtemps, enfin pendant longtemps, dans les siècles qui précèdent, on a commencé à produire ce qu'on appelle des Bibles moralisées, des livres moralisés dont les organisations spatiales d'ailleurs sont très très élégantes. Ce sont généralement des jeux de rinceaux euh, qui sont des, des jeux de rinceaux habités. Donc, vous voyez comment ce que sont les rinceaux. Ce sont ces motifs euh, décoratifs euh, feuillus qui font des, des fins agencements euh, de jets de feuilles comme des virgules comme ça que vous pouvez trouver bah sur les colonnes, les frises, et tout ça depuis l'Antiquité et dont le Moyen Âge euh, raffole dont on raffolera d'ailleurs encore très très longtemps. Vous retrouverez ça, ben, je ne sais pas, sur les, les peintures de grotesques après dans, dans l'art dans la naissance. Vous trouverez ça jusqu'à l'art classique. Le rinceau, c'est vraiment un élément aussi fondamental que la feuille d'acanthe de, de la décoration et du motif floral et végétal dans l'histoire de, de l'art occidental. Donc les Bibles moralisées, or, organisaient comme ça le texte avec des illustrations à, à vue euh, instructive, heuristique, pédagogique, morale. Là, ce qui nous dit, c'est que l'apparition des, des drôleries, c'est tout à fait autre chose. D'un seul coup, ça bascule, ça part complètement en couilles Les marges commencent à être habitées par des trucs vraiment, vraiment très étranges, très curieux. Et ils parlent même de nonsense. Et c'est probablement l'image qui vous saute aux yeux quand, quand vous voyez pour la première fois des marges à drôleries. Et leur organisation, c'est très narratif, mais narratif de quoi On serait bien en peine de le dire. Ça ne se rapporte pas. Alors, vous voyez un peu comment sont faits les chapiteaux historiés le romans, ce qu'on appelle les chapiteaux historiés, c'est les chapiteaux avec des figures, avec des, des, des visages, des corps, qui organisent euh, une espèce de construction narrative où vous êtes censé retrouver assez euh, lisiblement les, les éléments d'une histoire que vous connaissez, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver euh, les éléments clés euh, réorganisés par l'image. C'est plus ou moins vrai, il y a une grande liberté de, de construction quand même dans, dans l'art roman sculptural, mais moins ouvertement euh, comment, prolifique euh, en termes de nonsense, de, de bizarrerie. Quoi qu'il y ait, vous le verrez, des syncopes euh, plastiques, enfin, des formelles. Il y a des images que vous avez déjà, sans doute déjà vues, euh, sur euh, des modillons. Les modillons, vous voyez, c'est les, les petites pièces sculpturales euh, qui supportent des corniches, mais qui sont sculptées, généralement d'une petite figure, d'un visage ou euh, d'un petit corps, souvent grotesque. Bah, on peut trouver des, des points communs entre certaines des figures de, que vous rencontrerez sur euh, les, les églises romanes et certaines de ces étranges créatures qui hantent les marges à drôlerie mais bon, la comparaison s'arrête là si les animaux occupent une place de choix dans la thématique des drôleries les singes y sont de loin les animaux les plus présents Là, je réponds directement Donc, une remarque qui avait été faite dans le chat et qui m'avait fait dire que ce serait pas mal euh, de faire un live uniquement sur cette figure, la figure du singe, pour voir ben, si avant qu'elle ne devienne cette espèce de figure de l'artiste à la Renaissance, elle avait connu une autre histoire, si elle a une généalogie, et si elle y est liée, liée d'ailleurs c'est une question intéressante, c'est remarquer qu'il y a un écart, une différence entre l'usage qui est fait de la figure du singe à tel moment et, euh, et tel autre c'est une chose, mais après c'est une question de se demander est-ce que leur histoire est continue ou discontinue parce que ça, ça, oui, ça fait un fondu enchaîné de sens d'un état à un autre de la figure, on n'en sait rien ça mérite d'être interrogé dans la compilation de Liliane Randall Portant sur 238 manuscrits, ce qui n'est pas tant que ça. Ça peut vous paraître une somme, mais euh, des manuscrits, nous disposons une quantité absolument ahurissante. C'est euh, évidemment là, je suppose que si euh, Virs euh, évoque la compilation Randall, ça doit être probablement 238 manuscrits sur la période qui nous préoccupe. Je ne connais pas hein, le nombre de, de manuscrits exacts que Liliane Randall a compilé. On peut voir si on trouve ça. Euh, et savoir si c'est tout ou une partie. Euh, Randall a, a travaillé essentiellement sur les marges à drôleries. Euh, et notamment un bouquin qui s'appelle Images in the Margin of Gothic euh, Pictures, je crois. Alors, non, Manuscripts. Donc est un... Ça a été fait quand, le compte-rendu de Randall Randall, ça commence à dater déjà. C'est un bouquin qui est sorti en 67, visiblement, et dont Jean Vierce est très critique. Il a beaucoup à dire euh, sur les interprétations euh, de Randall. Mais d'autant que bah, souvent, les historiens euh, cherchent à raccrocher les wagons. Et des fois, il manque des petits bouts, il manque des attaches, il manque... Euh, puis il y a aussi des marottes. Enfin, les historiens, les iconographes, tout le monde a ses petites marottes, une façon que, bien à soi de revenir sur ses propres hantises et d'essayer de les, les impliquer dans ses travaux de recherche, qu'ils le veuillent ou non. Enfin, C'est parfois des choses tout à fait inconscientes. Je ne suis pas du tout en train de dire que, que les historiens truquent les cartes pour faire coïncider. C'est juste que quand vous travaillez dans un secteur et que vous avez euh, une certaine vision, parce que vous avez fait des découvertes intéressantes, cette vision, elle, elle non seulement elle vous hante, mais elle produit pour vous un instrument d'optique. Vous allez regarder les nouvelles choses que vous allez rencontrer, toujours précédé de cette optique. Elle existe pour vous désormais. Vous vivez avec. Et vous aurez tendance, forcément, euh, à, euh, à regarder même des objets très nouveaux, même des choses qui vous surprennent avec. Déjà, une sorte de petite idée. Donc, pour arriver à la chasser, c'est pas simple. Et euh, Jean-Louis, c'était souvent un peu dur avec Liliane Randall sur, euh, sur ses analyses. Dans la compilation de Liliane Randall, portant sur 238 manuscrits, 1403 drôleries, soit 12,6% de ce qu'elle a décrit contiennent des singes. Parce que, bon, 238 manuscrits, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enluminures. Hein. Vous imaginez, ils sont généralement, les, les livres enluminés pardon, le sont très, très richement. Il y a des livres qui ont des enluminures à toutes les pages. Dans certains manuscrits, ils sont là presque à chaque page. Dans le Psautier de Louis le Hutin qui est conservée à la cathédrale de Tournai, donc Tournai c'est en, en Belgique, je crois que c'est au... ça doit se trouver plus ou moins... c'est assez proche de la frontière je crois, c'est au, au sud-ouest je crois, et daté de 1315, donc euh, on, est, euh, on est déjà bien avancé dans la période qui nous, euh, qui nous concerne, qui nous concerne. 75, 74% des scènes contiennent des singes. Comme l'a remarqué Jurgis Baltrousaitis, que je connais pas, qui est sans doute un, un historien d'art, le terme babouins babouin si vous voulez, est parfois utilisé ce prototo pour désigner le genre. Alors pars prototo, la partie pour le tout, pour désigner le genre, donc le genre singe. On emploie le terme babouin volontiers pour désigner finalement tous les singes. Le succès des singes, très constant de 1250 à 1350, donc ce qui composent notre période, les marges à drôleries, ne pouvait qu'entraîner une élaboration iconographique variée et complexe. Aussi, commencerons-nous à l'aide de l'étude fondamentale de Horst W. Johnson sur l'iconographie des singes. Alors moi, je n'ai pas lu Johnson, hein, mais il a écrit euh, un bouquin complet sur l'iconographie des singes euh, qui s'appelle « Apes and Ape Lore in the Middle Ages ». And the Renaissance. Donc, lui, il pousse euh, l'observation du singe jusqu'à la Renaissance, où il y a quasiment un, une sorte de saut important hein, dans le, le, la figure du singe et, et sa place, comme je vous le disais. Et donc, ça vaudrait le coup de savoir si ce livre, qui a été publié comme dans les années 50, en 52, n'aurait pas été traduit en français. Je pense que c'est assez riche en enseignement. Je ferai des recherches après, cette, euh, après ce live, on verra si on trouve ça. Donc on commence par cette étude sur l'iconographie des singes et lui commence par présenter leurs activités dans le décor marginal. Le décor marginal, le décor des marges en question, les marges que nous sommes en train d'observer. Selon Johnson, Horst W. Johnson donc, J-A-N-S-O-N pour ceux qui voudraient chercher eux-mêmes, le singe se présente le plus souvent comme une figure du diable dans la littérature patristique. Là, ça date. La littérature patristique, c'est bien des années avant ce qui nous préoccupe. C'est la littérature des patristiques, comme son nom l'indique, des pères de l'Église, des pères de l'Église. Donc les contemporains de, je sais pas, de saint Augustin, de Jean Damascène. Donc en gros, je suppose que ça doit courir à peu près donc des premiers textes patristiques, Jean René de Lyon jusqu'à la période carolingienne. J'imagine que ça doit être à peu près ça, ce qu'on appelle la patristique donc euh, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazience, etc. Voilà, le pseudo Denis. Bref, le singe se présente le plus souvent comme une figure du diable. Dans la littérature patristique. alors je souligne que c'est loin, mais ce n'est pas pour autant que c'est hors sujet, on est d'accord. Pour la raison simple que euh, la statuaire et euh, enfin, l'image en général médiévale, euh, elle, est, elle repose beaucoup sur une correspondance intellectuelle avec euh, les textes et comme les théologiens du Moyen Âge sont nourris de patristique, leurs propres textes sont énormément, on enfin, énormément les pères euh, très abondamment. On cite encore évidemment énormément saint Augustin dans la littérature contemporaine de, de nos images là et euh, par là. Vous pouvez imaginer que les, la façon dont les, tests, les textes patristiques décrivent certaines choses, les objets par exemple de la Bible, euh, les, les, les figures infernales, angéliques, telles qu'elles sont décrites dans la, la, la littérature patristique, ça va avoir des effets évidemment sur l'iconographie. Même si les textes sont anciens, euh, on puise dans les textes anciens également euh, pour euh, produire des images. On puise aussi beaucoup, par exemple, chez Isidore de Séville. C'est assez précoce. Je ne sais pas pourquoi j'arrive jamais à me souvenir des dates d'Isidore. Je suis vraiment désolé pour ça. Euh, C'est assez lamentable. Je, je crois que je me suis gouré en le, en le rajeunissant terriblement récemment. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Il va bien falloir que ça rentre. J'irai sixième. Eh non, Et non, non. Cette fois-ci, je l'ai vieilli. Ah si, quand même, fin sixième, fin sixième. Mais il meurt au septième siècle. Il est à cheval entre les deux. Voilà, Isidore bah, de Isidor, Séville et ses étymologies ont fourni une très abondante euh, quantité de propositions que euh, les artistes euh, du Moyen-Âge ont illustrées. Les étymologies de, de Isidore sont assez importantes hein, dans, dans, dans l'iconographie. Entre autres, bon, bref, ces textes anciens ont des effets sur les images du XIVe et du XIIIe siècle. L'étude de Hors sur donc ces singes. Euh, sont des figures du diable dans la littérature patristique, mais à de rares exceptions près, donc il n'y en a quand même pas beaucoup, hein, de cas où ça, per ça perdure, où ce sens-là euh, perdure, euh, ça perd cette fonction au Moyen-Âge. Voilà. Il la garde euh, à Saint-Jacques de Compostelle, par exemple, euh, à la porte des orfèvres, à Saint-Jacques de Compostelle. Je ne sais pas si on peut trouver ça, ce serait assez joli. Tiens, ce serait beau si on pouvait regarder ça ensemble. Hein, on va essayer de voir. C'est très beau, hein, Saint-Jacques de Compostelle. Alors, Saint-Jacques de Compostelle porte des orfèvres. Est-ce qu'on peut voir la, la figure du singe maléfique qu'on pourrait. Euh... Alors, ce serait ça, là. Je vais vous montrer l'image. Hein. Alors, alors, porte des orfèvres. Ah, ouais, là, on n'est pas. Il n'y a pas de gros plan sur la porte des orfèvres. Est-ce que c'est ça, hmm, ça, ça Ça n'a pas l'air d'être ça. Ça, c'est autre chose. Hein. Ah, flûte. Platerias. Où est la porte des orfèvres Bon, bah, écoutez. Euh... Est-ce que ce serait ça quand même alors, pourquoi on tombe sur à ami avec ces foutues images payantes à la con C'est chiant tout ça. Hein bon. On n'est pas très aidé. Bah ça m'apprendra à avoir été désordonné. Voilà, j'aurais aimé vous montrer ça. Donc, euh, normalement, en fouinant un peu, je dois pouvoir trouver une figure de singe à la porte des orfèvres de Saint-Jacques de Compostelle. Donc là, un petit chef-d'œuvre roman euh, que je vous encourage à découvrir, euh, évidemment. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça On dirait que le diaporama, voilà, passe à l'avant de mon image. C'est idiot. Qu'est-ce que je fais Vous me dites pas euh, qu'il y avait un petit problème de flou sur l'image. Il y avait. Il y avait une incrustation malencontreuse. Enfin, d'une image dans l'image. Donc a priori, ça perd beaucoup. Euh, ça perd beaucoup cette figure, enfin cette fonction de créature diabolique euh, à la période où on parle, c'est-à-dire au moyen-âge, ce moyen-âge-là, le nôtre là. Euh, Dès l'époque romane, les textes et les images en font plutôt une figure du pêcheur, ce qui est quand même tout autre chose que celle du démon. L'étymologie, bon bah oui, on parlait, j'évoquais Isidore de Séville, salut à toi Clint, ah, c'est mieux quand même là l'image, ben oui, mais je déconne grave, <laughs> j'avais laissé en avant-plan mon diaporama de l'autre fois parce que j'ai décidé de faire ce live à la dernière minute, ce qui m'apprendra. Résultat, c'est confus, je ne peux pas vous montrer le singe de la porte Saint-Jacques de Compostelle. C est, c est ce que, ça veut dire que je serai obligé d'en parler dans un autre live, ça va être de plus en plus décousu, je vais me référer à des trucs que vous n'aurez jamais vus, c'est n'importe quoi, c'est un travail de Goret. Là, on revient à l'étymologie. Isidore de Séville, un théologien, un intellectuel, donc articulaire. Euh, du 6e et du 7e siècle, qui a écrit un bouquin assez copieux, ses étymologies. Il n'a pas écrit que ça, hein. il a écrit pas mal. Il y a beaucoup de... On lui doit beaucoup de choses, mais c'est le livre qui a le plus marqué le... le champ qui nous intéresse, à savoir celui des images. Et euh... il tend à. C'est un de ses livres encyclopédiques, Le Moyen Âge et. Est... Surabondant de littérature encyclopédique sous toutes sortes de formes. J'espère qu'on fera un live entièrement consacré à la fonction de l'encyclopédie, notamment au jardin de la connaissance, de loin en loin, à travers euh, l'histoire des, des images, notamment, parce que c'est assez passionnant. En tout cas, Isidore de Séville tend à expliquer euh, les choses, expliquer le sens du monde à travers l'étymologie. C'est une drôle d'idée, c'est un drôle de passe-temps, euh, ça donne des choses forcément assez singulières. De donner du sens à ce dont vous parlez par l'étymologie, c'est un, un peu absurde. Il n'y a, a pas une logique des formes qui, qui va... Euh, enfin, tout ce que vous pouvez apprendre avec l'étymologie, c'est l'histoire du discours lui-même, c'est tout. Vous ne pouvez pas apprendre l'histoire des choses dont on parle. C'est pourtant ce jeu auquel se livre Isidore de Seville. C'est assez fascinant, je dois dire. Donc, lui, fait Alors je dis, il, il fait dériver simia. Il dit qu'il fait dériver parce qu'évidemment, Isidore euh, prend une certaine liberté aussi avec l'étymologie. Il imagine beaucoup. Il digresse, il dérive, il suppose. L'étymologie qui fait dériver simia, donc le singe, hein, il le fait dériver de similitudo, donc euh, de, de la même mêmeté, de. De la similitude. Cette étymologie permet de le représenter, le singe, comme une imitation difforme de l'être humain qui symbolise parfaitement la perte de la ressemblance divine due à la chute de nos premiers parents. Alors on aurait perdu, au moment de la chute, cette identité euh, d'image dont nous avions hérité à l'origine du monde, cette identité d'image avec notre créateur supposé. La lubricité bien connue de cet animal, que le Moyen Âge élevait et dressait volontiers, convenait à ce rôle. Euh, oui, et puis aussi, vous verrez, il en est quand même dûment question dans les iconographies médiévales de euh, bah, des rituels de soumission. Qui sont interprétés un, comme pseudo-mythique, qui est comparé au, au, à une, un comportement sexuel contre nature par euh, les observateurs du Moyen-Âge. On ne fait pas beaucoup d'éthologie au XIIIe siècle, vous vous en doutez bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux bêtes, mais on a des angles pour s'intéresser aux bêtes. Il est assez fréquemment représenté sur les chapiteaux romans. Ainsi, en Auvergne, il est tenu enchaîné par un dresseur ou encore mangeant un fruit. Euh, ça, c'est très très beau, les, la, la sculpture romane d'Auvergne, c'est vraiment en soi, c'est un, un cadre à lui tout seul. Euh, je pense qu'on fera un petit saut en Auvergne bientôt parce que j'ai un texte assez beau sur, euh, sur Brioude et sur plein de trucs dans, dans cette région. Un texte assez beau qui est également de Wirst et il se trouve que c'est sur Mosaï également. C'est des choses que j'ai visitées, j'ai beaucoup de photographies. Et euh, après tout, ce serait chouette d'illustrer un texte de Wirst par euh, des choses prises, des, des photographies prises sur place. Et là, pour, pour, pour le coup, on aurait énormément de documentation très précise. Ce serait quand même pas mal. Le singe aux fruits se grattant parfois le derrière survit comme beaucoup de thèmes romans dans les manuscrits à De Rollerie. Alors je sais pas si j'en ai là, moi, des, des singes avec fruits. Je vais regarder ça. Ah, qu'est-ce qui se passe Allez, allez Excusez-moi. Je vous en ai ramené pas mal, mais je sais plus. J'ai quoi J'ai une couvade. Un baiser infâme. Des eucharistines, fileuses. École. Ah, peut-être que là, c'est quoi là C'est encore un combat. Te calmer, toi je n'ai pas de singe mangeant un fruit, visiblement, c'est dommage. On, on trouvera plus tard, tout à l'heure, d'autres choses, mais ça, j'ai pas. Euh, non, ça, c'est autre chose. Bref, on s'en fout pour l'instant. Euh, je n'en ai pas. Il est possible qu'il constitue... Bah, il y en avait, si vous voulez, dans le, le, le petit texte que j'ai trouvé, le, le PDF, pardon. Salut à toi, Kratos Merdiakov. Euh, J'en avais, mais dans un... d'abominables photocopies, enfin c'est des reproductions en noir et blanc vraiment dégueulasses, donc c'est la raison pour laquelle je suis allé vous chercher des documents en couleur dans un autre livre, parce que vraiment le, les choses qui accompagnaient le, le texte de Wirst en PDF étaient vraiment cracra. Alors qu'est-ce que tu nous dis Tu as retrouvé le oh c'est très très gentil si c'est ça ce serait vraiment génial qu'est-ce que c'est alors a monkey and a demon participating in the temptation of Christ et eh ben voilà ah d'accord c'était bien là-dessus que j'étais tombé mais je reconnaissais pas la, la Puerta de la Platerias c'est la porte des orfèvres d'accord Est-ce qu'on peut l'avoir en plus grand si on clique là-dessus Je ne suis pas un habitué de. Je... On le voit là, effectivement. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut sauver les images Non, on ne peut pas les sauver sur Twitter. Bah, C'est bien chiant, ça. Ça serait quand même pas mal. Bah, je vais au moins faire une impression d'écran. Comme ça, euh, je pourrais les choper plus tard. Voilà, j'imprime l'écran. Voilà, au cas où. Merci beaucoup, Kradus Merdiakov. C'est très, très gentil. Euh... Donc là. Le singe doit être interprété comme une figure démoniaque à cet endroit là du tympan. Donc le tympan c'est la partie supérieure des portails, d'accord est Très richement décoré dans certaines formes du roman, ce n'est pas le cas partout et tout le temps. Il y a des formes de romans où il n'y avait pas de, de tympan. Si vous allez par exemple dans le Limousin, ce sont des tympans euh, avec des, des arcades ouvertes polylobées. C'est très très beau également. Hein. Et la forme de figure que vous allez pouvoir trouver, c'est au saillies des polylobes. Vous allez trouver par exemple des couples de lionceaux, enfin des, des figures accouplées, coupler, et et pas de, pas de tympan sculpté. Et dans mon souvenir, je crois pas qu'il y ait de tympan sculpté non plus dans la Saintonge, mais il faudrait. Que je regarde, ça fait longtemps que j'ai pas miné là-dedans. Donc, selon les, les types de, de romans, vous allez ou pas trouver des tympans sculptés. En tout cas, merci beaucoup, euh, gradus Mazakov. C'est très très gentil. Nous avons pu voir euh, notre euh, notre singe qui avait gardé le, la, son statut démoniaque. Bah, ouais, là, il est, il est euh, je pense, pour, euh, pour appuyer euh, cette espèce de renversement démoniaque. Euh, Alors, le singe aux fruits se grattant parfois le derrière survit be comme beaucoup de thèmes romans dans les manuscrits à drôlerie. Donc, on reparle là de cette correspondance, si vous voulez, de cette espèce de dialogue entre les choses que l'on pouvait voir dans un roman sur, euh, sculpté, donc sur les églises, et les figures qui vont errer dans les marges à drôlerie. Il est possible qu'il constitue une allusion au péché originel car il lui arrive d'accompagner un couple cueillant des fruits et de tendre un fruit à un autre singe qui fait un signe de protestation ou encore à un homme nu. Ça, on peut trouver par exemple dans le Psautier de Peterborough, un Psautier du tout début du XIVe siècle. Euh, Bruxelles, Bibliothèque Royale, manuscrit 9961. Bah, si, euh, si tu te sens en forme, euh, Kradwys Mardiakov, pour chercher, euh, on pourrait peut-être le voir. Psautier de Peterborough, donc euh, Peter Pierre, et Borough B-O-R-O-U-G-H. Et donc, c'est le manuscrit MS 9961-2. Folio 39V, donc un verso. Donc, si tu peux choper ça, on aurait peut-être euh, cette image, je ne sais pas. Hein. Sinon, on voit ça aussi dans Le Vœu du Pan, qui est un manuscrit très très important. Euh, le coup qui, lui, se trouve à New York. Euh, manuscrit glazier, folio 84V, manuscrit glazier 24. Donc, dans une collection privée, j'imagine. On retrouve ça aussi dans Les Heures de Jeanne de Savoie. Ah, les Heures de Jeanne de Savoie, il est, on peut le voir en France, il est au musée Jacques-Marandré. Musée merveilleux que je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est un musée privé, donc un peu cher, hélas. Mais euh, la collection, euh, notamment euh, de Toscane Renaissance, est vraiment superbe. Et puis, euh, et puis ils ont des pièces euh, quand même assez inouïes. Dans mes souvenirs, il y a un petit euh, Uccello. Enfin, il y a des trucs assez dingues. À Jacques-Marandré, il y a un escalier euh, qui est peint euh, par Acepolo, Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de belles choses. Donc euh, Jacques-Marandré, ça vaut le coup de bouger son petit cul et d'aller voir ça. Il est possible donc qu'il constitue une allusion au péché original. De fait, il apparaît plus de 100 fois dans le répertoire de Handel. Et en dehors de ces quelques cas, le contexte ne lui donne aucune signification particulière. On trouve encore dans les marges deux histoires de singes qui peuvent être rapportées aux pêcheurs par des moralisations. Alors les moralisations, c'est les choses dont je vous parlais tout à l'heure. Salut à toi, Zaziop, salut, bienvenue à bord. Hein, donc je vous rappelle, les moralisations, ce sont... Bah, je peux vous montrer à quoi ressemble une bible moralisée, parce que ça sert à rien, je vous parle. Si je, je vous montre pas les choses, j'y Ça va prendre trois secondes. Voilà, voilà, voilà. Je vous en ai parlé pour évoquer les compositions des Bibles moralisées, donc ils font toujours figurer en regard du texte euh, une pèse de construction édifiante euh, par l'image, euh, prise dans des, euh, des jeux de rinceaux. Alors, quel plaisir d'entendre parler de Musée Jacques Marandret. qui n'était pas plus tard que ce dimanche. <laughs> Alors, quel, quel, quelle chance, ces Asiopes. Moi, j'habite loin de Paris, donc je n'y vais pas souvent. Alors, à quoi ressemble une Bible moralisée Que vous voyez un petit peu alors, Je ne sais plus quand apparaissent les constructions de, des moralisations. Je dirais que c'est plutôt au XIIe siècle, dans mes souvenirs. Mais ça, je pense que si on tape moralisée, on va vite voir ça. Et le cas typique de moralisation, en, en termes de structure de page, c'est ceci. Ah, mais alors vous, vous, je dis ceci, vous ne voyez rien du tout, puisqu'évidemment, je suis en train de consulter un livre que vous ne voyez pas. Et si je fais ça, vous allez le voir, évidemment l'envers, ça vous sert pas grand-chose hein, tout ça. Euh, mais je, je vais vous montrer devant la caméra plus proprement si euh, je j'ai pas mal de bouquins sur des, des euh, comment ça c'est la Bible des pauvres qui est super mais elle est pas typique de ces moralisations. Voilà, voilà donc ça c'est pas mal. Je vais vous montrer ça. Alors on va déplacer la caméra. Je vais essayer de pas tout foutre en l'air. Pas ma spécialité hein, d'être vraiment ordonné, mais ouais, si c'est ça. Alors, par contre, le chat est par-dessus. Donc, un instant, je vais euh, virer le chat. Enfin, en tout cas, de l'image, hein, je vais pas vous jeter. Alors, alors. Euh, voilà, voilà. Vous voyez la structure dont je vous parlais Ce sont des rinceaux habités. Bon, là, on, on, on a quitté le rinceau on est dans une espèce d'oculus. Euh, mais essayez d'imaginer que la base c'était plutôt ça, c'est une certaine idée euh, de la construction euh, voilà, de ce genre. Donc c'est une Bible moralisée, c'est toujours plus ou moins le principe hein, de, de construction. Alors, on peut dire que ma bah, démonstration n'est pas très très bonne, puisque voilà, il y a mon micro entre les deux. Mais le livre est très grand. Ça ne rend pas très simple la, la possibilité de vous montrer ces choses. Je fais comme je peux. J'espère que... que vous y voyez un peu clair. Il y a des reflets qui sont mal en contre. Mais bah, écoutez, hein, il faut faire avec. Voilà à quoi ça ressemble. Un live pas bien préparé. C'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave. On va dire que c'est un peu cool ce soir. C'est pas... C'est pas aussi euh, organisé et, et, et ça va être euh, assez simple hein, aussi. Bon, on va pas se livrer à des lectures exégétiques là. Ce soir, c'est light. Donc, où j'en étais? Bon, des moralisations, on appelle ça, d'accord Quand on, on, on fait des, des constructions comme ça avec euh, avec une visée, si vous voulez, euh, euh, une visée, euh, comment euh, Une visée morale particulière, euh, d'accord C'est ce qu'on appelle le, la, la tropologie. C'est euh, dans, dans le dans la littérature biblique. Euh, on dégage un sens euh, tropologique, qu'on appelle aussi sens moral, un passage du texte saint, et euh, on l'exemplifie, on l'éclaire par une lecture particulière. Ben là, les images viennent euh, d'une certaine façon ricocher avec cette pratique de la lecture euh, d'un des quatre sens. Alors, si vous voulez, on pourra parler plus tard, hein, si vous avez des questions à ce sujet sur les, les quatre sens de l'écriture. Mais dites-vous juste que voilà, il y, y a un cadre usuel d'apprentissage des textes saints, de lecture des textes saints dans lesquels on développe ce sens moral qu'on appelle le sens tropologique. Voilà. Alors, on trouve encore dans les marges deux histoires de singes qui peuvent être rapportées aux pêcheurs donc par des moralisations. Celle du singe qui abandonne au chasseur celui de ses deux petits qu'il chérit le plus. Et celle du singe qu'on capture en lui présentant des bottes qu'il chausse et qui l'empêche de s'enfuir en courant. Rien ne prouve cependant que ces histoires doivent leur présence dans les marges à leur moralité. Celle des bottes, par exemple, emprunte à un schème iconographique. Qui évoque irrésistiblement l'épisode du buisson ardent. Alors, le buisson ardent, vous vous souvenez, c'est quand Dieu se manifeste à Moïse, à Moïse euh, en l'espèce d'un buisson en flammes. Euh, je ne sais plus le cadre exactement, euh, à quel moment euh, euh, de l'exode ça se passe, l'épisode du buisson ardent qui lui apparaît dans le désert. Bah, écoutez, euh, ça fait bien longtemps que je n'ai pas miné dans tout ça. Donc excusez-moi pour ça. Toujours est-il que c'est un épisode qui est souvent illustré de façon très littérale. Et en quoi, euh, quoi c'est relatif à ça C'est rapporté à ça. Le chasseur se déchaussant à la manière de Moïse devant un arbrisseau, où l'on trouve un singe à la place du Seigneur. Le Seigneur apparaît comme une flamme. Euh, et il est bien possible que cet effet comique soit la raison d'être du thème. Okay, ben là, ce serait bien d'avoir évidemment euh, l'image elle-même pour comprendre la superposition entre euh, le buisson ardent et le thème euh, des bottes. Euh, parce que ça saute pas aux yeux. Enfin, c'est le singe qu'on capture en lui présentant des bottes qu'il chausse et qui l'empêche de s'enfuir en courant. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est le chême du buisson ardent qu'il y voit Voilà, je dois dire je ne vois pas. Bon, là c'est moi qui comprends pas très bien, mais peut-être que vous comprenez mieux que moi, il faut me dire dans ce cas là ce que vous entendez. Au total, l'assimilation du singe au pêcheur n'est pas soulignée dans les drôleries. Nous le verrons commettre des gros péchés et se plonger dans la luxure mais il ne le fait le plus souvent il ne fait allusion au péché que dans la mesure où les drôleries en général représentent un univers profane et pécamineux destiné à provoquer le rire en au moins autant que la réprobation qu'est ce que ça veut dire enfin pécamineux ça veut dire un relatif au péché pécamineux parce que ça veut dire c'est que l'apparition la, dans les marges euh, de ces figures de, de singes pêcheurs ne tiennent pas d'une part à une moralisation du texte parce que les marges à drôleries sont décollées, au niveau du sens du texte à côté duquel il se trouve. De ce point de vue, on ne peut pas dire que, euh, que ces drôleries illustrent le texte en quoi que ce soit. Elles l'accompagnent plutôt. Elles ont même tendance à le déborder, à l'envahir, euh, etc. Et donc il n'y a pas de lecture morale à proprement parler euh, du texte en présence duquel on se trouve. Et deuxièmement, le caractère pécamineux de tel ou tel activité de telle ou telle action, de telle ou telle configuration, de telle ou telle image est moins important que le cadre général qui est celui du péché. Pour le coup, peu importe au fond de quel péché on parle, ce sera celui-là ou un autre. Et je ne vois pas maintenant pourquoi. Bon, c'est pas grave. Pourquoi on s'est mis à voir la barre supérieure d'outils? Ça n'a aucun sens, Cette, euh, ce logiciel a décidé de me péter les noix ce soir, c'est pas important. Dans l'immense majorité des cas, le singe imite les actions humaines, dans les drôleries comme dans la réalité. Car son amusante capacité d'imitation était certainement la raison de sa domestication. Alexandre Nécam en fait le compagnon de l'Istrion. Donc l'homme de la fête, quoi. Et il relate un tournoi organisé à l'aide de singes dressés, dressés, chevauchant des chiens, d'ailleurs dans, dans la réalité. Et ça, ces figures de singes chevauchant des trucs pour faire des tournois, c'est des choses très fréquentes dans les Majadolories. D'ailleurs, j'en ai quelques exemples, on peut, on peut en voir ensemble. Il y a... Euh, J'ai deux combats de chevaliers, là vous les voyez, des singes euh, chevauchant. À gauche, euh, ce qui semble être un mouton, un bélier ou un chien, je ne sais pas, un mouchien. Et à droite, un renard contre lequel il se bat, euh, qui chevauche lui un coq. Voilà, voilà, voilà notre petit singe chevalier. Donc qui est Alexandre Hannekam Ce serait bien de le savoir, n'est-ce pas Salut à toi Freddy, salut, salut, salut. Alors, qui est ce Alexandre Hanekam Allons-y. Euh, C'est un contemporain de nos, euh, de nos illustrations, de nos marges à drôlerie, vous voyez. Euh, oui, oui, les lances sont plutôt marrantes. Ce sont des broches. Euh, sur l'un d'entre eux est, est embroché, je vois un, un oiseau. Euh, ben sur les deux, ce sont des oiseaux. À droite, un coq. À gauche, euh, allez savoir. Donc, Alexandre Nekam est théologien. C'est un philosophe et un religieux, un encyclopédiste français, euh, pardon anglais. Euh, donc c'est assez important que ce soit un encyclopédiste, parce que, comme beaucoup d'encyclopédistes, je, je suppose que c'est une, euh, une œuvre qui doit être riche iconographiquement, et si elle ne l'est pas directement, elle peut être une source riche d'iconographie. Alors, Nekam aborde successivement Dieu, la lumière, les éléments, le feu, les oiseaux, les eaux, les, les poissons, la terre, les métaux, les plantes, les arbres, etc. Donc, dans la grande tradition des manuscrits en encyclopédiques de cette euh, période. Voilà. Il décrit, par exemple, l'usage de la boussole. Intéressant. Bon. Alors, on trouve des encyclopédies euh, générales, mais aussi des encyclopédies... Euh... Technique euh, euh, à des cadres particuliers dans notre champ disciplinaire, celui des arts, euh, le plus connu c'est la schedula diversarum artium. Ça, le, non, je crois que ça se dit comme ça des arts divers divers, diversarum ou diversarum artium, du de, de moine théophile qui est consacré aux arts. Ah, J'en ai un autre, hein. j'ai une autre image avec des chevaliers. Ah, elle est où Elle est où l'autre Voilà, ici. Bah non Ah, je croyais avoir une autre image de tournoi. Bon, là, c'est autre chose. On est dans l'esprit, mais c'est encore autre chose. C'est. En dressant, alors, or les marges présentent des montreurs de singes arborant le grand bonnet à clochette des jongleurs, mais aussi des singes tournoyers. Alors moi je ne vous ai pas trouvé de singe jongleur, mais je vous ai trouvé un singe musicien, euh, où on verra euh, ah, qui a aussi ce grand bonnet. Alors est que, qui est là. Avec ce fameux bonnet à grelots, qu'on trouve aussi chez les jongleurs. Donc ça vous donne une image assez proche de, de celle dont parle Jean viaste des grands bonnets à clochettes des jongleurs, voilà. et aussi des singes tournoyants, donc dansant. En dressant la liste des activités que le singe parodie, on s'aperçoit qu'elle se confond à première vue avec celle des activités humaines représentées dans les marges. Donc il existerait, si vous voulez, une espèce de trope générale des activités où, de temps en temps, on les trouve euh, habitées par des corps euh, humains de temps en temps, les mêmes sont rejoués. Merci pour le follow. Euh... Ah mais c'est Méli et Samo, bonjour Méli et Samo, qui fait un raid. Oh comme c'est gentil, comme c'est gentil, mais bienvenue à bord Méli et Samo. Alors Méli et Samo tiennent tous deux, une chaîne que je découvre pas, à pas. donc je peux pas en dire grand chose parce que je suis en train de les découvrir. Ça fait 3-4 lives que je suis de Méli et Samo, qui sont très très cool, on s'amuse bien. Euh, C'est un live qui aborde des sujets si divers que je ne voudrais pas le résumer à, à trois fois rien en abordant simplement un, un seul... Des sujets aujourd'hui, ça ça causait baccalauréat et toutes sortes de trucs. Merci, merci en tout cas pour les follows. C'est vraiment super, super gentil les gens. Et merci pour le raid. Hein. Euh, de quoi on cause ici ce soir Eh bien ici, on, on parle des singes dans les marges à drôlerie du XIIIe au XIVe siècle. Alors les marges à drôlerie, c'est simplement comme ça qu'on appelait toutes les marges richement illustrées et étranges, bordéliques, chaotiques et euh, pratiquement indéchiffrables qu'on a vu apparaître à cette période de l'histoire pendant un tout petit moment. de L'histoire, un petit un hein, moitié, euh, moitié 13e, 1250, moitié, euh, moitié 14e, 1350, et hop, ça disparaît comme c'est apparu. Enfin, c'est graduel, hein, c'est pas du jour au lendemain, vous imaginez bien. Bienvenue à bord, Mimi la louche, et bienvenue, euh, donc euh, les gens, bienvenue, Bill euh, Pat. Euh, euh, tu viens pas du raid, <laughs> d'accord, c'est pas grave, il n'y a pas de sanction pour ceux qui ne viennent pas du raid. Tu peux parler, mais oui, tu peux parler. Enfin, quel drôle d'idée, pourquoi tu ne pourrais pas parler Donc, pour l'instant, on en est à des sujets relativement sérieux. Les singes n'est encore qu'en train de jongler. Mais si vous avez des oreilles chastes et délicates, il sera quand même beaucoup question d'analité, donc de rapport anal, et euh, de tout ce qui a trait d'une manière générale au trou du cul qui hantait l'iconographie euh, 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 médiévale depuis, euh, depuis les églises romanes dont on a un petit peu parlé. Jusqu'à ces marches à drôleries telles qu'elles apparaissent dans les manuscrits. Alors, dans les saisons lumineuses, on va le voir, euh, c'est développe toutes sortes de bestiaires. Et parmi les figures euh, les plus récurrentes, les plus courantes, les plus obsessionnelles, euh, vous en avez, je deux. Il y en a au moins une, hein, le singe dont nous parlons ce soir, et euh, le lapin. Et pour des raisons euh, du même ordre, hein, le lapin euh, permettant des jeux de mots et des calembours euh, sexuels, puisque le nom euh, de la bestiole n'était pas lapin à, à cette époque. Hein, on parlait du conin ou conil, donc c'est tout à fait autre chose. Et qui était le, le nom que l'on donnait bah, au sexe féminin. C'est un peu comme si on faisait des calembours visuels avec des chattes au XIIIe euh, au euh, ou au XIVe siècle, parce que le sexe féminin aurait été appelé à cette époque chatte, ce qui n'était pas le cas. Donc l'animal le figurant, c'était le lapin. Mais pour ce soir, on s'en tient au singe. Alors il faut être vérifié pour parler dans le chat de Millie Samo. Ah, d'accord. Et tu as fait un mauvais move et tu ne pouvais pas parler. Tu malheureux. Qu'est-ce que tu as fait de mal Bon, ici, généralement, à moins que vous ne soyez euh, vraiment au-delà de lourd, lourd, c'est pas grave. Moi-même, je suis lourd, souvent, donc on s'en fout. Mais euh, si vous avez des remarques sexistes, racistes, ça ne va pas passer. Ça, c'est pas possible. Il y a des trucs, il y a des limites, il y a des seuils, voilà, au-delà duquel il ne faut pas aller. Mais sinon, a priori, si vous êtes lourd, si vous faites des calembours merdiques, il y a une certaine libéralité, comme on disait autrefois, pour ce genre de conneries. Donc ça devrait aller, il ne faut pas s'inquiéter. Ah, je suis en train de vous lire un texte de Jean Virs, qui est un mec que j'aime bien. C'est un historien d'art assez, assez savant, qui peut être pointu et complexe, mais qui est plutôt léger, c'est un texte plutôt court et, et dans un cadre assez général, où il écrit avec de autres gens. C'est un gars qui a, que j'ai tendance à le considérer comme un historien d'art suisse, mais il n'est pas suisse, il est né à Colmar. Mais en fait, le plus gros de son boulot, il l'a fait en Suisse, il est encore à Genève en ce moment. Merci pour le follow, Sacha Ketsu. Alors voilà, un, un pseudonyme très saillant et trépidant. Et donc il n'est pas suisse même s'il si, euh, a beaucoup et il bosse encore à Genève mais il a aussi bossé à Strasbourg il vient de l'école de Chartres, c'est un Chartiste donc ça, ça configure des esprits un peu particuliers quand les de chez l'école de Chartres c'est pas n'importe qui les gens euh, t'as pas compris par contre tu parles de singes, oui je parle de singes euh, entre le 13 e et le 14 e dans les marges à drôlerie c'est à dire dans les marges dessinées des livres dans Luminure du Moyen-Âge voilà ce dont je parle et je fais tout ça en lisant un petit texte de euh, Jean Wiersp donc, je vais euh, poursuivre parce que sur la chaîne, on parle régulièrement d'histoire de l'art. On parle de bande dessinée, mais pas que. On fait un peu de philo, on fait parfois des sciences. Le mardi, c'est plutôt scientifique. Et là, aujourd'hui, c'est un petit texte d'histoire de l'art de Jean Virst, euh, pour essayer de comprendre un peu mieux ce que foutent tous ces singes dans les marges des manuscrits, tout simplement. Donc j'ai en été à Andressant la liste des activités que le singe parodie, on s'aperçoit qu'il se confond à première vue avec celle des activités humaines représentées dans les marges. Donc il y a de fortes chances quand vous voyez certains types d'activités humaines que vous y retrouviez à peu près les mêmes, rejoués euh, par des singes. Il s'agit d'abord des divertissements favoris de la haute société. Donc la chasse. Le tournoi, la musique, la danse, la jonglerie, les jeux. Alors, les jeux, on trouve quoi Les quilles, euh, la plantée, le tir à l'oiseau. Alors, j'en ai un au tir à l'oiseau. Je dois avoir des singes qui font du tir à l'oiseau. Et c'est un truc important parce qu'il y a une, euh, énormément de, de motifs de jonglerie. Euh, pardon, de jonglerie, euh, chez, enfin Dans les marges à drôlerie, vous voyez là, un tir à l'oiseau. Deux petits singes qui jouent le tir à l'oiseau. Et euh, ça a d'autres significations, et le texte va se finir là-dessus. Et c'est plutôt intéressant parce que le texte va vers, euh, vers une hypothèse euh, intéressante euh, pour essayer de comprendre pourquoi cette profusion. Le titre amène la couleur. Le titre amène la couleur. Je ne suis pas sûr de comprendre de quoi tu parles, mais ça n'est pas grave. Euh, amène la couleur, tu veux dire donne la couleur, donne le ton, comme on dit ça, donne le ton, ça amène la couleur, c'est ça euh, Bien, euh, je ne comprends pas. Ah, tu veux dire que tu t'es fait ban, ah oui, il y a une grosse ambiguïté, c'est ça, c'est ce que tu veux dire. Euh, je comprends. Alain j'avais bonsoir, salut Alain, bonsoir à toi, bonsoir, bonsoir. Euh, la valeur d'une phrase vaut surtout pour les intentions qu'elle véhicule, donc ça, ça dépend... Ce n'est pas qu'une question de contexte, il y a aussi tout ça. Quoi. Il y a qu'est-ce que tu veux dire et où tu vas avec ça. Euh, une phrase, en soi, ne signifie rien, en dehors de, de ce que l'on peut savoir à la fois du locuteur et du cadre dans lequel c'est dit. Bref, complètement au sujet, là, on est d'accord, on est déjà en train de partir en couille. Euh... Qu'est-ce que je disais Donc on a euh, listé un peu toutes les, les activités des gens de cour de cette époque qu'on retrouve dans les marches euh, des enluminures de cette période. Voilà. En général, on se contente de représenter l'une ou l'autre de ces activités en faisant quoi En substituant le singe à l'homme. Statistiquement, ce type de thème se caractérise par une prédominance des acteurs humains sur les acteurs simiesques. Merci pour le follow, Totoche, c'est gentil. Bienvenue à bord. À titre d'exemple, on trouve dans le répertoire de Randall, dont Randal on l'a dit au début, c'est dans les années 60 un répertoire qui a été fait très très précis de ce qu'on pouvait trouver comme figure dans un très grand nombre de manuscrits et dans ces manuscrits dans un très grand nombre dans les Donc Dans le répertoire de Randal, 36 singes sur 178 fauconniers. Donc ça veut dire que... Si vous êtes sur 36 sur 178, euh, 3 fois 6, 18. Ouais, en gros, vous avez un sixième des figures euh, dans un cadre quelconque. Ici, les fauconniers qui sont représentés par des singes plutôt que des humains. Alors, tu étais sur AFK. D'accord, d'accord. Eh bien, écoute, bienvenue. Yo, je casse le 666. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, je casse le 666 Je vois pas. Mais... Ah oui, je vois je vois, je vois, je vois. Il y avait un chiffre maudit. C'est ça, j'étais à 666 followers et, et tu es devenu le 667e. Merci, tu m'as sauvé la vie. Heureusement que tu es là. Euh... Donc, où j'en suis Le tir à l'oiseau sur une volaille vivante. La tête prise dans la fourche du bâton à l'aide d'une faucille apparaît 46 fois. Les singes y jouant 12 fois. Le jeu de la plantée. Alors, plantée, c'est un personnage assis, la jambe tendue, sert de quintaine. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Donc, si quelqu'un a un peu d'énergie pour chercher euh, en ligne ce qu'est le jeu de la plantée, moi, je veux bien savoir. Hein, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Il apparaît 23 fois, dont 5 fois, avec des singes. Très grossièrement, à peu près un quart des, euh, des occurrences de ces activités ludiques mettent en scène des singes. Au 14e. Les travaux professionnels ou domestiques prennent place à côté des activités ludiques et peuvent être exécutés par des singes. Alors, on trouve des singes laboureurs ou forgerons, mais aussi filants ou faisant la cuisine, particulièrement dans les manuscrits flamands. Alors, filons, je vous en ai trouvé un. Je vous ai trouvé un singe euh, qui était en, en, en train de filer la laine. Que vous voyez un petit peu ça. Voilà, la fileuse est là. Hop, ici. De quoi vous parlez Oui, je parle de singes au XIIIe et au XIVe siècle dans les marges. Voilà de quoi je parle. Euh, dans ces cas de figure aussi, donc les singes sont très minoritaires par rapport aux hommes exerçant les mêmes tâches. Donc on peut considérer qu'il y a une tendance à représenter dans les marges à drôlerie toutes sortes d'activités humaines qui n'ont pas de rapport avec les textes. Hein. Vous pouvez trouver ça dans des psautiers, c'est-à-dire dans des livres de psaumes, donc des scènes qui n'ont évidemment rien à voir avec les psaumes en question, qui n'illustrent rien de précis. Et dans un certain nombre de cas, par euh, fantaisie, on va dire, euh, c'est rejoué par des animaux, toutes sortes d'animaux, mais euh, très très souvent des singes. Le jeu appelé la plantée consiste à faire tomber son adversaire en le poussant du pied. D'accord, c'est une sorte de sumo en équilibre sur un pied, je vois. Donc tu as deux adversaires en équilibre sur un pied qui essaient de pousser l'autre et de le faire tomber. Merci beaucoup, euh, Eliane Chin, c'est très gentil. On a appris un nouveau truc. Euh, ça serait marrant de voir si, euh, si sur YouTube, il y a. Euh, enfin, si c'est un jeu qui existe encore, qui est encore pratiqué. Parce que dans les derniers lives, on a évoqué. Euh, merci pour le follow, c'est gentil, Eliantine. On a évoqué par exemple une danse qui était très curieuse, la buffatière, hein, parce qu'on était sur les poutres peintes du Moyen-Âge. Et il y a un des trucs qu'on représentait souvent sur les, les poutres peintes, c'est ce qu'on appelle des souffles à cul. Donc des gens qui soufflent dans le cul d'autres gens avec des soufflets de forge ou des soufflets de cheminée. Et euh, il était évoqué le fait que ça se danse et que ça s'était dansé et peut-être que ça se danse encore. Donc, on a été chercher, et quelle n'a pas été notre surprise de voir des types et des chippesses en ronde, en chemise de nuit, se souffler dans le cul avec des soufflets. Je dois dire que c'était un grand moment, quand Peut-être que la plantée existe encore, je ne sais pas. Les singes et le livre. En revanche, pour certaines activités bien précises, les singes sont des acteurs privilégiés dès la fin du XIIIe siècle sur exactement 100 médecins en train de mirer l'urine 39 sont des singes ce qui suppose une authentique vocation alors mirer l'urine euh, il, euh, il faut bien comprendre merci il faut bien comprendre un truc alors, je vais vous montrer déjà la scène du mirage d'urine mais ça doit vous éclairer sur quelques petits trucs euh, dont on va parler euh, alors médecin l'urine voilà c'est ça par exemple, on mire l'urine avant une grossesse, on mire l'urine à travers... Alors là, je suis désolé, je n'ai pas trouvé mieux en termes de qualité d'image, ce n'est pas terrible, mais on n'aura pas mieux sur ce sujet. Euh, L'ampoule que vous voyez, donc, dans laquelle le malade pissait, pour faire un diagnostic et euh, une auscultation, le médecin, depuis Hippocrate, donc depuis la période grecque, la période antique, euh, a pas tant que ça de matériel à sa disposition, de, de moyens d'analyse. Il euh, n'y a pas de stéthoscope, hein, c'est une invention plutôt tardive, les stéthoscopes. Donc on n'écoute on on pas le cœur du patient avec le stéthoscope. On va quand même écouter ce soucier de son pouls. À un certain moment, on décide. Ah, je ne sais plus à quel moment on commence à s'intéresser au pouls exactement, mais on examine euh, ses déjections ses crachats, son urine ses glaires. Ce qui fait par exemple que l'objet que tient ce singe par exemple donc cette ampoule, elle signifie régulièrement à l'intérieur d'un tableau là, là on est vraiment dans des trucs iconographiques à savoir si vous voyez tel objet, qu'est-ce qu'il veut dire dans tel tableau ben, si vous voyez apparaître euh, cet objet dans, euh, dans un tableau, il nous dit quelque chose du statut euh, particulier de la, la personne qu'on est en train de regarder, de son rapport à la la médecine ou de la, la situation. Voilà, ça nous explique quelque chose de la situation. Par exemple, euh, si vous regardez le. Moi, je pense au portrait de saint luc peignant Peignan-la-Vierge de Hemskerk, je peux vous le montrer parce que c'est très beau, après tout. Toutes les occasions sont bonnes euh, de regarder un beau tableau, on ne va pas s'emmerder. Donc, Hemskerk, c'est un peintre flamand euh, maniériste, magique, vraiment. Euh, ce magnifique tableau de Luc peignant la vierge il se trouve à Rennes, à, au musée des beaux-arts de Rennes. Alors, on va le voir là. Hop. On va le regarder ensemble. Et caractéristiquement, vous devez trouver, si je me souviens bien, ah, c'est des vieux souvenirs, donc j'espère que je ne vais pas faire de conneries. Bah, ils font quoi là, les gens Allez, montre-nous ça. Il faut aller dans l'article. Oh là là, c'est chiant. Mais c'est très, très mal foutu, cette affaire. Bon, alors la Wikipédia... Euh... Voilà, des fois, ça se barre en burne. On va essayer de trouver une grande image, que vous voyez ça. Et euh, Luc est, était réputé euh, médecin. Donc, il est connu, euh, enfin, il est, il est connu. Il est supposé avoir été le peintre de la Vierge, tout simplement. Donc, euh, ça, une, ça fait partie, si vous voulez, de, de, de ce qu'on appelle les hagiographies, les histoires des saints. Et euh, alors, ouvrir l'image, voilà, dans un nouvel onglet. Il était supposé être le peintre de la Vierge et également être médecin. Et si vous voyez ce qu'on voit à ses pieds, pour le signifier, donc vous voyez qu'il est assis sur un taureau, parce que le taureau, c'est sa figure symbolique, c'est euh, la, la figure de ce qu'on appelle le tétramorphe. Hein, chacun des saints, euh, des, 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 des évangélistes, est accompagné de sa figure, hein, l'aigle de Jean, le taureau de Luc, etc. Alors, qu'est-ce que tu dis, Sacha Kedush? Où est-ce euh, est que tu est que t es arrivé? Tu es fasciné par ce qu'il raconte, c'est ne pas du tout pourquoi. <laughs> Je suis désolé. Donc là, vous voyez ce petit flacon, par exemple, qui est au pied de Saint-Luc. Caractéristiquement, il nous dit quelque chose, c'est un attribut, on appelle ça un attribut, qui nous dit que Saint-Luc est médecin. Voilà. Donc dans ce cas... Alors, quand je dis que c'est un manieriste flamand, ça veut dire qu'on est au début du XVIe siècle, c'est la période dite maniériste. C'est un peintre assez génial, Hemskerk. Et là, il est, on voit Saint-Luc peignant la Vierge et à ses pieds, bah, vous retrouvez ce petit flacon euh, qui sert à mirer les urines et qui nous dit quelque chose de euh, de l'activité supposée de Saint-Luc d'être un, un médecin. Voilà. C'est un des autres trucs qu'on suppose de, de Luc. Là, vous voyez un petit singe en train de mirer le petit flacon d'urine euh, qui imite euh, les médecins. Donc on l'a dit hein, au début de, du chapitre, à cette époque, au Moyen Âge, il y a énormément de jongleurs. Il y a beaucoup de singes en France. C'est-à-dire que les, les jongleurs, les, les montreurs euh, ne montrent pas que des ours. Euh, on fait venir des singes qui sont, euh, bah, qui sont utilisés pour leur faire faire des tours. Euh, et notamment tout simplement, puisque les, euh, les hommes du Moyen Âge, comme nous-mêmes, reconnaissent dans cette figure du singe un étrange cousin euh, euh, à la fois fascinant et inquiétant. Euh, il, a, il a déjà ce statut dans la littérature qui passe par plusieurs étapes, à la fois de la fascination, euh, on ne doit pas douter que les jongleurs aimaient leur singe, et à la fois, bon, on l'a vu tout à l'heure, euh, dans la littérature patristique, le singe était une figure diabolique. Sans doute. Parce qu'on supposait que cette imitation était diabolique. Dans, euh, dans, par exemple, dans, on a déjà évoqué ça sur cette chaîne, mais dans un texte de Pierre le Mangeur, qui est un théologien du donc, je crois 11e, 12e, quelque chose comme ça, euh, il dit que euh, le semblable euh, séduit le semblable pour parler du serpent qui est censé avoir séduit Ève, et il lui imagine une figure humaine. C'est-à-dire qu'on considère l'imitation comme un peu malfaisante. Il faut bien comprendre que ça ne vient pas de nulle part. Euh, ça vient de beaucoup plus loin que ça, ça vient de Platon en fait. Platon a un regard euh, disqualifiant, enfin il a un regard sur les images qui n'est pas plein d'amour, hein, je vous le dis tout net. Euh... Oui, <laughs> bien sûr que tu es bienvenu, tout le monde est bienvenu ici. Quel que soit son niveau d'affinité avec les singes, l'urine, les marges à drôlerie, le XIIIe siècle l'histoire de l'art, évidemment, vous êtes bienvenu. Euh, Qu'est-ce que je disais Platon euh, a un rapport aux œuvres d'art qui n'est pas. Pas spécialement amoureux, on va dire, et certainement pas avec l'imitation, qu parce qu'il place euh, au-dessus de toute autre chose, comme qualité, le critère de vérité. Donc, imiter, c'est mentir, c'est truquer, c'est proposer une falsification de la réalité. Donc, on est déjà dans une dimension euh, moralement euh, réprochable. Voilà. Donc, euh, on pourrait dire que cette vision euh, de, de limitation euh, par le singe est mal vue euh, depuis une espèce de longue origine. Quand on parlait tout à l'heure des textes de la patristique, les textes des premiers textes chrétiens, les textes de l'Antiquité chrétienne, il euh, ne faut pas oublier que leur socle euh, historique, c'est euh, l'Antiquité immédiate. Donc il euh, y a beaucoup de néoplatoniciens, par exemple, chez, euh, chez les, les, les pères de l'Église. Chez eux, il y a toute une discipline mentale, euh, tout un héritage philosophique qui sera assez prompt, assez rapide pour disqualifier lui aussi bah, l'image, l'imitation, etc. D'accord Où j'en étais avant de digacer comme un con. Euh, ça y est. Voilà. En revanche, pour certaines activités bien précises, donc on a bien vu qu'ils étaient là dans un cadre général assez fréquent, les singes, ce sont des acteurs privilégiés dès la fin du XIIIe siècle. On va voir lesquels. Donc sur exactement 100 médecins en train de mirer de l'urine, 39 sont des singes. Donc là, on monte quand même, en... on n'est plus dans un rapport d'un sixième. 40 sur 100, ça commence à faire. Quoi. On est presque à la moitié des figurations quand on est dans la médecine. Euh... On pourrait dire que c'est quasiment une vocation chez les singes d'être médecin. Mais il faut dire aussi que la médecine au XIIIe siècle n'est pas en odeur de sainteté non plus. Hein. Il va falloir un peu de temps quand même avant de, de faire du médecin. Éventuellement, quelqu'un dont on cessera d'avoir juste peur. Et on a de bonnes raisons d'avoir peur. Pareil. Alors, la petite musique bizarre, c'est normal. Hein. C'est Je n'écoute que de la musique contemporaine ou baroque donc quand vous entendez de la musique ici c'est souvent de la musique expérimentale euh, mais elle n'est pas forte, ça va des fois elle peut être un peu forte et un peu vraiment inquiétante, je suis vraiment désolé, ah là 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 là, là. les followers de, <laughs> de Bélier Chameau dire mais où est-ce qu'on est, -ce qu est tombé, c'est quoi cette putain de chaîne, je suis vraiment désolé, mais j'espère que ça vous va que vous passez un bon moment quand même alors s'il est un statut qui convient encore mieux au singes, c'est celui d'écolier. Alors là j'ai trouvé des images, je vais vous montrer. J'ai trouvé ça. Les singes écolier, c'est où C'est Fileuse, évêque, Eucharistie. Eucharistie, il y en a pas mal là aussi. Euh, bénédiction, chier, cul, <laughs> enseignement, voilà, j'ai des trucs terribles. Voilà, donc là, c'est euh, différent, c'est pas un statut d'écolier, c'est un enseignement, et le singe est parmi d'autres animaux, vous le voyez euh, là. Mais bon, c'est pas une image de singe solitaire, c'est juste, vous voyez Saint-François, Saint-François d'Assise, qui est censé avoir enseigné aux animaux. Euh, salut Suze, bienvenue à bord. En même temps, une médecine basée sur les déjections et l'odeur de sainteté. Ouais, ça va, Kradus. Mais c'est plutôt pas mal. Les diagnostics n'étaient pas si bêtes que ça. Ausculter, euh, sachant l'importance que prend la diététique euh, par, chez Hippocrate, il a quand même hein, une vision assez intelligente de la médecine pour un, un homme du... Je crois que c'est 5e siècle avant l'ère chrétienne, donc l'héritage, est quand même pas mal hippocratique. Euh, avoir développé toute une, une façon d'ausculter le malade, de, 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 de s'inquiéter de, de son parcours, de, de questions sa santé sur euh, ses déjections et euh, son compte rendu euh, de malade, en tenant compte de qui il est, de quel est son mode de vie, ben ça c'était euh, c'est quand même pas si mal hein. franchement, faut pas déconner euh, voilà <laughs> donc là c'est pas les écoliers mais je vous en ai trouvé une avec des écoliers, on, on va se la choper, parce que j'ai pas été très bien alors ça c'est des hosties ça c'est quand il, la fileuse de laine, ah, voilà. alors là on a un apprentissage livresque mais voilà Là, on a une école. Bon, ils ne sont pas sages des élèves. Hein, vous notez. Donc, on est dans un cadre clérical. Hein, un singe euh, visiblement clérical, donc un moine singe, enseigne. Parce que là, tout le cadre scolaire, vous l'imaginez bien, cette période, c'est un cadre clérical. C'est uniquement dans un cadre religieux qu'on apprend euh, à lire et à écrire et l'endroit où sont fabriqués ces livres. De ça aussi, on doit tenir compte. Si vous voulez comprendre quelque chose au marge à drôlerie, euh, déjà, bon, on est plutôt invité à chasser l'idée que ce soit une lecture symbolique, que pour tel truc, il euh, euh, y a cette signification ou c'est tel autre truc, puisque ça, ce n'est pas une bonne idée, hein, on l'a bien vu. Mais il euh, y a aussi euh, le fait que ça ne se réfère pas simplement euh, à ce qui se passe dans le livre. Il y a aussi ce qui se passe autour du livre, c'est-à-dire le fait même que l'on soit en train de lire. Vous comprenez euh, Il faut bien comprendre qu'il y a les circonstances même de l'existence du livre qui comptent. Certes, il y a un texte, on pourrait se dire, ben bah voilà, euh, ce dont ça parle, toutes ces images, c'est ce qu'il y a dans le texte, donc là, ce n'est pas le cas. Vous avez bien vu que c'était beaucoup plus euh, libre que ça. Mais ce dont ça peut parler, c'est une des hypothèses intéressantes, vous allez voir, de Jean Wirth, c'est, qu'est-ce que c'est un livre enluminé à ce moment-là, entre les mains de qui il se trouve, qui lit et qui écrit. Là, ça peut devenir intéressant. On se dit que le mouvement d'illustration éventuel de ces images est moins un mouvement intérieur qu'un mouvement euh, vers l'extérieur. C'est moins un mouvement euh, centrifuge qu'un mouvement centripède. Euh, Centripète, pardon. Vous voyez Est-ce que c'est clair Je pense que ça doit être un peu clair. Et oui, je sais que Wisebot euh, radote un petit peu. C'est comme ça. C'est mon robot. Il me ressemble. Il radote. Ah là, là, vous avez une très belle image quand même. Vous avez une enluminure, je dirais, qui, qui rend bien sensible ces, ces structures euh, comment, pédagogiques. Alors, alors, alors. Hmm. Celui des colliers. À partir d'un recueil contenant l'histoire du Graal de Robert de Boron, et le Lancelot en prose, donc euh, deux. Euh, deux récits consacrés à la table ronde. Il y en a à la table ronde, il y en a énormément à ce moment-là au XIIIe. Enluminé vers 1280-1290 dans le diocèse de Térouanne. Ah, je ne sais pas où est Térouanne. -e ah, T-H-E-R-O-U-A. Donc si vous savez où est Terouane dans le chat, je veux bien savoir. On voit apparaître une école dont les élèves et le plus souvent le maître aussi sont des singes. Bon, conformément à ce qu'on voit ici. Donc, euh, conformément aux normes pédagogiques médiévales, la fessée est de rigueur. Là, on dirait bien effectivement On est en plein de notre illustration. Super, j'ai trouvé la bonne illustration cette fois-ci. Dans la partie centrale, vous voyez un singe en train de foutre une bonne dérouillée euh, au singe au centre. Hein, il, lui, il le fesse et euh, ça chie pour son matricule, en quelque sorte. Conformément aux normes pédagogiques médiévales, donc la fessée est de rigueur. Sur 27 représentations de l'école, 20 montrent une classe de singes. » Deux, une classe exclusivement humaine, et dans trois cas, un singe enseigne des êtres humains. Il n'existe aucune autre activité que les singes monopolisent autant que l'instruction. Alors ça, c'est hyper intéressant. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi. C'est dans le Pas-de-Calais. Ah, merci, c'est gentil. Dans le Pas-de-Calais, Terwan. Ok. Le rapport des singes au clergé, donc euh, à l'Église, hein, à ceux qui composent les rangs de l'Église, moines et prêtres est sensiblement plus complexe. Le singe peut entrer dans les ordres et devenir évêque, cardinal, voire pape dès la seconde moitié du XIIIe. Je vous ai effectivement trouvé un singe pape. Alors il est de façon très allusive, c'est pas forcément simple à lire comme pape, mais en fait c'est sa tiare qui nous l'indique. C'est comme on est dans une image très composite où le singe a quand même un, un cul euh, humanisé et qu'il est poursuivi par une bestiole dont je ne peux pas trop vous dire de quoi il retourne. C'est un être hybride avec un corps euh, de lion ou de lévrier, je ne sais pas trop, et une tête de monarque. Mais ce qui papise notre petit singe, c'est cette tiare euh, crucifère qui porte croix, voilà, que vous voyez là. Donc ils peuvent avoir des gueules d'évêques. J'en ai d'autres hein, où, des... où ils sont évêques, je crois que j'en ai un évêque. Ouais, ici. Et là, en plus, c'est un évêque assez bizarre. Vous voyez, c'est une figure plutôt étrange. C'est un évêque qui baratte le beurre, mais avec sa crosse, avec sa crosse euh, épiscopale. Donc, ça, c'est vraiment bizarre. Hein. Il y a, il y a, on est vraiment dans une configuration plutôt, plutôt étrange. Il barate le beurre avec sa crosse. Euh, donc, il peut, être, il peut occuper le singe à peu près tous les postes euh, du clergé. Mais force est de constater qu'il ne s'agit pas d'une spécialité. Les évêques sont bien plus fréquemment des hybrides, comme celui qu'on vient de voir galopant après un singe. Les hein. hybrides à torse humain et à arrière-train animal bon, plus fréquemment que des singes. Randall ne compte pas plus de 27 singes sur 218 évêques, donc on va dire que c'est même plus faible finalement que les proportions qu'on a vues dans d'autres corps de métier. Sur 336 scènes concernant des personnages qu'elle identifie comme des clercs, donc des membres du clergé, il ne s'agit de singes que dans 24 cas. C'est vraiment moins que ce qu'on peut en voir, notamment pour les écoliers. Nous verrons cependant que ces chiffres font illusion. Ah, pourquoi Un premier indice est fourni par la fréquence avec laquelle les singes interagissent avec le clergé. Ils se prosternent fréquemment devant ses représentants, parfois à l'envers, en offrant leur postérieur à leur bénédiction. Alors, est-ce qu'on a ça On va regarder ce qu'on a comme singe montrant son cul. Là, on a... Un cas de figure intéressant où vous voyez un singe euh, accroupi devant un évêque euh, lisant et se faisant titiller le, le derche par un oiseau. Il se fait picorer le cul, le fondement devant un évêque. Voilà le type de relation qu'un singe peut entretenir avec le clergé. Là c'est autre chose, le singe est en train de chier dans un calice. Donc le calice, vous le savez sans doute, c'est euh, ce qui est censé contenir euh, le vin de messe. Et le singe est en train de chier dedans. Donc là, ce n'est pas une relation directe avec le clergé, parce que la figure qui est à l'arrière ne me semble pas du tout être un moine. Euh, autre... Euh, là, c'est un truc parti. On voit par, un... un un rapport tordu avec le clergé, et un rapport qui nous ramène à la précision qu'on vient juste de lire, à vrai que le clergé peut être euh, composé de figures hybrides. Là, vous avez caractéristiquement une figure hybride, hein, vous avez une sorte de coup de serpent euh, avec une tête d'évêque au bout d'un long cou, et euh, porteur d'aile, donc on a un hybride épiscopal, euh, euh, oui c'est ça, des qui euh, embrasse le cul d'un singe qu'on appelle le baiser infâme. Voilà notre rapport avec le clergé. Là, vous en avez un autre qui est quand même assez étonnant. C'est une élévation d'hostie, mais l'hostie elle-même est une tête d'animal. Alors je ne sais pas si c'est la tête d'un chat ou d'un autre singe, ça n'est pas si simple, mais je crois que euh, Virs évoque ce type d'image, donc peut-être qu'il pourra nous en dire plus euh, dans son texte. Bon nombre d'entre eux sont donc des fidèles. Sur 122 scènes d'exhibition ou d'agression anale décrites par Randall, 53 concernent des singes, ce qui est énorme. Tandis que 17, souvent les mêmes, concernent le clergé. Alors, agression anale, il y en a une très étrange aussi. Alors, je ne sais plus où elle est. Et je crois que c'est aussi une scène cléricale. Ouais, c'est celle-là. Parce que, toujours avec le calice, voilà. Voilà, un être hybride, également une pièce de corps planté sur deux pieds, qui se fait ramener le fondement par un singe avec euh, probablement une burette euh, pour l'onction. Donc, euh, burette pour l'onction, euh, j'imagine que c'est l'instrument qui sert hein, pour l'onction d'eau bénite, hein, euh, je crois. Faudra vérifier, j'ai oublié. Moi, je suis pas chrétien, donc j'ai une connaissance du rite chrétien par l'iconographie et par l'usage hein, que j'en ai, pas du tout euh, par la pratique euh, à l'église. Alors... Bref, hein. nous avons là un autre cas de figure avec du euh, plutôt du mobilier euh, euh, liturgique, plutôt que directement avec un membre du clergé. Ce chiffre n'est guère moins intéressant si on songe que le statut des personnages est rarement précisé dans ces scènes. Huit chevaliers seulement sont engagés dans ces activités ainsi qu'un flagellant. Donc, les flagellants, vous voyez ce que c'est hein, c'est ces ordres religieux comme les, les Batucci, par exemple, dans, dans le nord de l'Italie. Donc, il y a des gens qui euh, qui se flagellent hein, littéralement avec des fouets euh, munis de nœuds ou pour ceux qui aiment vraiment se faire mal, munis de petites pièces de métal ou de crochets. Euh, voilà, qui se mortifient, on dit. C'est une participation active à ce qu'on appelle l'imitation. Alors là, c'est un peu précoce pour parler d'imitation chez les flagellants, puisque même si on, on, on imite le Christ, on imite la Passion, euh, quand je parle de l'imitation, j'évoque plutôt euh, l'imitation de Jésus-Christ, qui est un bouquin du 15e, où euh, c'est un autre type d'imitation que, que l'on appelle chez le croyant. C'est encore autre chose. Donc là, les flagellants se mortifient, accompagnent, si vous voulez, la Passion par leur propre souffrance ils accompagnent la rédemption. Les singes s'associent donc au clercs, aux membres du clergé, par une propension à l'analité, donc au rapport au trou du cul. Si les singes imitent à peu près n'importe quelle activité, ils ont un intérêt particulier pour celles qui sont liées au savoir livresque, au savoir euh, des érudits, quoi. La médecine, l'école, la prière. Donc ça, on l'a vu. Plusieurs dizaines d'entre eux sont simplement présentés en train de lire. Je crois que j'en ai un joli en train de lire, qui est juste en train de lire. Là, c'est à l'école. Où es-tu Là, par exemple, c'est un truc assez marrant. Vous voyez que le singe est en, est en retrait. C'est pour vous montrer qu'il y a quand même des, pré... des constructions avec d'autres animaux. Hein. Le singe est en retrait. Il est à l'arrière-plan. Il a l'air de tenir, euh, je ne sais pas quoi. Euh, comme c'est un peu abîmé, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'est ce, ce bâton. Je ne sais pas si c'est une croix ou tout à fait autre chose, si c'est un ostensoir, ou... je ne peux pas vous le dire. C'est peut-être un ostensoir. Toujours est-il qu'il y a une élévation de l'hostie, donc un moment eucharistique. Cette fois-ci, c'est un chat qui s'en charge. Donc le singe accompagne le moment eucharistique. Il n'en est pas euh, l'acteur principal. Et sinon, en lecture tout seul, je... Voilà, je... ah, il bah, y a celui-là. Il n'est pas complètement seul, et puis en plus il est en train de chier des hosties, donc c'est un cas un peu particulier. Euh, c'est moi ou bien il est en train de nous parler du cul des prêtres et des singes avec le ton le plus sérieux que j'ai jamais entendu, comme s'il était en train de faire un cours d'astrophysique. Donc c'est exactement ça, ouais. c'est difficile de... Mais je comprends, ça peut paraître bizarre, mais quand on parle d'iconographie médiévale, on est souvent reculé à, à ça parce que euh, euh, dans ce domaine, on trouve toutes sortes de choses très très étranges. Il y a une obscénité très importante dans les représentations de, des marges à drôlerie entre le 13e et le 14e, donc on, on va parler d'obscénité, mais si on parlait des chapiteaux romans ou, euh, ou de la statuaire sur les églises romanes du 12e, on verrait aussi des animaux qui, euh, qui lèchent le cul des humains, des enfournements, des choses assez étranges, hein. et, et des jeux plutôt grivois, effectivement. Et euh, bah oui. Et euh, même dans l'iconographie plus tardive, il y a des choses encore plus troublantes qui vont accompagner euh, les images de la contre-réforme. Et là, on va arriver à une mystique de la plaie où euh, lécher la plaie du Christ et évoquer cet ourlet sanglant euh, avec toute la volupté et l'extase que ça peut apporter euh, à la personne qui s'y adonne, ça pourrait vous sembler assez ouf. Mais bon, c'est. Euh, Je sais pas quoi vous dire, le. le... <laughs> <laughs> le, le christianisme, c'est bizarre. Et puis cette chaîne est elle-même ce qu'elle est, on va dire. Donc là, vous avez un singe, je disais, qui chie des hosties. Euh, où j'en étais on est, on est on voit bien qu'il y a une, une récurrence euh, courante des activités intellectuelles, des activités érudites dans les représentations simiesques. Pourquoi Ouais, je crois que c'est vers cette, ça que, que Virs va. Il va essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de vraiment congruent euh, là-dedans. Et peut-être pas à l'endroit où on s'y attend. <laughs> suspense Plusieurs dizaines d'entre eux sont simplement présentés en train de lire. Il faut donc se demander si les activités intellectuelles des singes doivent être mises sur le même plan que les autres. S'ils imitent la lecture, comme ils imitent entre autres euh, la chasse ou la jonglerie, enfin ce que vous voulez, on s'en fout. Dans les cas de la médecine, par exemple, ce serait oublier que la médecine est un art. Et que conformément à l'adage, adage que je vous ai déjà donné tout à l'heure, hein, ars simia naturae, elle imite elle-même le monde. l'art imite la nature. C'est déjà une activité d'imitation. Euh, Cette ars simia naturae, il accompagne tous les arts. C'est sûr qu'on a le mot art aujourd'hui, il, il accompagne une certaine idée de l'art. Mais de temps en temps, quand on dit machin exerce son activité avec art, on rétrocède euh, le, le sens premier. Euh, son art, c'est-à-dire la totalité du dispositif technique et des savoir-faire qui l'accompagnent. Donc, à ce titre, euh, clairement, quand, quand euh, Hippocrate, à la période antique, euh, parlait de la médecine, il parlait de son art, et de comment exercer son art. Et euh, c'est important d'avoir ça en tête. Donc, à la période dont on parle, euh, il y a toutes sortes de catégories qui vont organiser les arts. Il y a ce qu'on appelle les arts mécaniques et les arts libéraux. Il y a, dans les arts libéraux, il y a le trivium et le quadrivium. Il y a toute une organisation hiérarchique très précise hein, des activités humaines selon les arts qu'on retrouvera dans l'organisation des artistes euh, en Italie. Bon, C'est des choses dont on parlera sûrement, j'imagine, tôt ou tard. Mettez-vous juste en tête que art vous devez entendre une vision beaucoup plus large que ce que c'est devenu évidemment aujourd'hui tout simplement alors c'est peint avec quoi d'ailleurs ces couleurs alors je crois que c'est peint à tempéra la plupart du temps dans mes souvenirs l'enluminure c'est plutôt à tempéra mais si ça vous branche j'ai pas mal de bouquins consacrés uniquement à l'enluminure bon, je peux déjà voir s'il n'y a pas un petit précis de base mais je dirais que c'est fait à tempéra et la tempéra c'est une sorte de gouache à l'œuf si vous voulez et je vais regarder ça Général, là. un peu con, hein. j'aurais peut-être dû chercher en ligne, peut-être que ça aurait été plus rapide de ça pour savoir ça. Mais bon, il ya aussi de la feuille d'or, donc ça, par contre, ça se travaille différemment. Vous savez comment ça se pratique. Il faut la c'est pas des vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. Arrêtez vos singeries. Ah, je vois, y est, vous êtes parti. Ça me manquait vos calembours de merde. Franchement, je me demandais quand est-ce que ça allait jaillir. Merci. Alors, est-ce que là, j'ai trouvé ça? Donc, je suis sur un bouquin consacré à l'enluminure qui n'est pas mal. Alors, alors. du parchemin à mini on s'en fout, le scribe et ses outils, alors, bon, le scribe on s'en fout, ce qui nous intéresse c'est l'enlumineur, le scribe c'est celui qui écrit hein, le texte, euh, qui fait ça avec une encre généralement euh, à, la, à la noix de galles. Hein. à l'époque je crois que c'était le plus utilisé, la noix de galle vous voyez ce que c'est, euh, on appelle ça galle parce que c'est une, une maladie qui est infligée par certains types d'insectes, des psiles qui piquent le chêne, par exemple, ce qui développe une espèce de tumeur. Et cette tumeur broyée permet d'obtenir, euh, avec un peu de, de sulfate de plomb ou du fer, une encre très correcte. On l'a utilisée jusqu'au début du XXe siècle. Je crois qu'on on doit faire encore, je suppose, des encres euh, aux noix de gale. Et on utilisait aussi une encre rouge, euh, de temps en temps, qui servait pour faire ce qu'on appelle les rubriques. Rubrica, ça veut dire rouge. L'encre voilà, rubrique, c'est l'encre rouge pour faire les rubriques. Voilà. Euh, mais c'est pas ça, on s'en fout. Le décor, les manuscrits des dévots sont pas dotés d'un L'enluminure, double fonction, on s'en fout. Dis-moi comment on l'a fait. Le dernier dérivé, minium, sulfure de plomb qui donne la couleur rouge. Euh, on s'en fout, dans enluminure. Illuminé, hein d'accord, hein c'est de ça que ça vient. Quelle arte? Qu'iluminare? A qui a matin Ça c'est, On trouve ça dans la divine comédie. L'enlumineur reçoit une feuille de parchemin, on s'en fout. C'est pas ça. Avec quoi c'est fait Dis-moi tout. Alors. Euh... Motifs végétaux, mais ne me dis pas euh, les motifs, on vient d'en parler ça. Euh, les marges, ce peuple, oui, on est d'accord, on est en train de parler précisément de la façon dont elle se peuple, mais on aimerait juste savoir ce qui est utilisé dans les scriptoria pour euh, euh, fabriquer ces images. Les ateliers urbains, la production, ah bah, je ne trouve pas de trucs généraux. Euh, euh. Donc après on est dans autre chose, le prix des livres, les destinataires, les lecteurs. Bon écoutez, c'est pas grave, je n'ai pas. Je dirais comme ça, à brûle-pourpoint, plutôt à tempéra. Si je dis des conneries, engueulez-moi, avec en plus évidemment de la feuille d'or. Alors euh... Gribouille, un livre sur les arbalètes, mais bien sûr, bravo Cradus Je regrette vraiment d'avoir enlevé tout à l'heure le chat à l'affichage. Euh, Qu'est-ce que je n'ai pas fait Ce serait dommage de ne pas immortaliser vos calembours de merde. On finirait par croire que ce, 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 cette chaîne, est sérieuse. ce serait quand même extrêmement dommage. Les arbalètes, c'est une honte ça. Tu le sais que c'est vraiment lamentable. Un livre sur l'ennui mineur. Bravo, gribouille. Alors, à tempéra. Donc, à tempéra, c'est. à ah, tu veux dire littéralement pourquoi on appelle à tempéra euh... la tempéra Eh bien, je ne sais pas du tout. Euh, littéralement pourquoi Bonne question en fait. Donc à tempéra, comme je vous l'ai dit, c'est une gouache à l'œuf. Qui hein, a un bon pouvoir psychatif. Alors euh, on va voir l'étymologie. Ah c'est simplement je suis con, c'est une détrempe. Hein. Voilà, tempéraré, détrempé. Donc, une détrempe, c'est comme la gouache, tu vois. C'est une peinture que l'on détrempe à l'eau. Donc, il y a une petite émulsion, euh, et puis euh, tu, tu détrempes euh, à l'eau. Donc, là, elle est faite avec de l'œuf, la tempéra. Alors, je crois qu'il existe aussi des tempéras à base de colle. Mais bon, moi, je pas pratiqué, je ne connais pas. La tempéra tout court, je ne sais jamais arriver, mais euh, enfin, à l'œuf. Mais euh, pas à la colle. Je, je crois qu'on peut faire ça, ouais. Alors. Noté toi WiseBot, tu n'intéresses personne. Euh, Qu'est-ce que je disais Sur les activités intellectuelles et la médecine. Euh, on rappelait donc Arsimian Naturae, l'art imite la nature et la chirurgie également. Le chirurgien de Philippe Lebel, Henri de Mondeville, bien étudié par Marie-Christine Pouchel, est explicite. L'homme de l'art, donc le médecin, hein, euh, doit à la fois imiter la nature et s'y substituer pour la corriger. D'accord Je fais n'importe quoi avec la caméra, je tripote tout et je ne suis pas capable de l'armer. Il est à la fois son serviteur et son maître, serviteur et maître de la nature. Par ailleurs, le médecin prête facilement le flanc à la satire. Dans le jeu de la feuillée de Adam de la Halle, il mire, donc il regarde à travers, mirer c'est ça, il mire un urinal après l'autre et diagnostique des grossesses à tour de bras, y compris celles du père d'Adam, donc de Dieu, hein, dues à des excès alimentaires. Donc là, on est vraiment dans la grosse farce chez Adam de, de la Halle, qui a écrit euh, donc euh, un texte qui s'appelle le Jeu de la feuillée, donc un écrivain du Moyen Âge. Dans les marges. Il a comme cliente des femmes, le singe en question, hein, dont... Alors, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, le petit singe qui regardait à travers une ampoule pleine d'urine. Alors, citation, je tripote tout. Bah, si uh, Lucie ou, ou Louisa sont dans les parages, elles peuvent valider. Moi, si les, les, le, le clavier est un peu trop loin pour que je puisse valider vos citations lamentables. Euh, dans les marges, il a comme cliente des femmes, dont une nonne des chouettes, une cigogne ou une truie, mais il soigne également d'autres singes ou des hommes. L'assimilation de l'écolier au singe est aussi facile à comprendre que celle du médecin, puisque sa tâche essentielle est d'imiter le maître. Euh, une grande partie du savoir s'acquiert à cette époque, et c'est un truc contre lequel Montaigne, au XVIe siècle, va énormément écrire. Euh, il s'acquiert par le par cœur, par la répétition par cœur de propositions. Ce n'est pas que ça. Hein. -dire, il y a vraiment une grosse effervescence intellectuelle au Moyen-Âge, il ne faut pas oublier ça. Euh... Mais euh... ça prend une part assez considérable de l'enseignement, ce qui fait évidemment de l'apprentissage une pratique de limitation, comme vous pouvez l'imaginer. L'assimilation de la liturgie et de la dévotion à des singeries est plus étonnante, mais assez fréquente et franchement blasphématoire dans plusieurs manuscrits, comme le psautier gantois 12, 5-6, où des singes se font bénir par l'évêque, consacrent une église, exorcisent un démon et défectent des hosties. Donc ce qu'on regarde, c'est ça. On voit donc un singe en train de chier des hosties. Même chose dans un manuscrit apparenté, le psautier Heur, Trinity B où on voit un singe faire l'élévation devant un panier servant d'hôtel avec comme hostie le crâne d'un de ses congénères. Donc ça c'est le machin qu'on voyait tout à l'heure. On va le revoir. Si vous voulez, la bénédiction hop, où il élève comme hostie euh, le crâne d'un autre singe. C'est quand même le pompon. Vous ce pompon. Allez, ah voilà. Quand même, ça déchire ça. C'est-tu pas beau? Je rêve. Euh... N'en faisons pas toute une montagne. Bravo, Suz. Bravo. <laughs> Bordel. Le psautier de Louis le Hutin, dont on a parlé tout à l'heure, hein, euh, et le vœu du pan, enluminé à Tournai, présente des plaisanteries du même aloi. Le derrière, le cul, donc, devient objet d'adoration. Dans un livre d'or à l'usage de Saint-Omer, qui a été identifié, identifié à tort comme celui de Marguerite de Beaujeu, il arrive que l'enlumineur se réfère au texte latin. Alors là, dans les marges, par rapport à cette histoire de Marguerite de Beaujeu, je ne vais pas vous lire les marges, hein, mais Jean Wirst règle ses comptes euh, avec euh, les gens qui, avant lui, se sont penchés euh, sur les marges à drôlerie et euh, qui, selon lui, n'ont toujours dit que des conneries. En général, Virst est assez saignant avec ses corrigionnaires, il ne les loupe pas. Donc là, je vous passe les détails, mais c'est une façon perfide de glisser une allusion très courte à l'intérieur d'un texte. Salut Galtrug, tu arrives tard, tu rates des tas de trucs, tu as raté des choses folles, mais notamment un saint chiant des hosties. Tant pis pour toi. Euh, par trois fois, ah oui, euh, l'Enlumineur fait dans la marge une allusion blasphématoire au Saint Sacrement. C'est ainsi qu'il place sous les paroles de la consécration eucharistique un singe en train de déféquer dans un calice. Donc, ça, on l'a vu tout à l'heure, le singe déféquant dans un calice. Euh... Voilà, c'est ça. Ah non, 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 là, il plonge un bâton dans le cul de quelqu'un. Il, il est là, le singe. Alors, bon, ça, c'est un singe aussi qui chie des hosties. Où es-tu, singe chiant dans un calice Bah, quelle déception ah j'en ai pas trouvé beaucoup mais je suis déjà perdu dedans. Où es-tu mon con Le voilà, le voilà, le voilà. On l'a vu trop brièvement tout à l'heure. Regardez-moi ça si c'est pas mignon. Hein, ce petit singe qui chie dans un calice. On pourrait... Alors là par contre, on a compris que dans ce cas précis, euh, c'est assez différent. Il y a une relation. Euh, lisible et tranché entre ce qui est illustré dans les marges et le corps du texte vous avez bien compris que c'était pas souvent le cas on pourrait augmenter les exemples mais il est plus important de noter la fréquence du livre dans ce genre de scène en gardant à l'esprit qu'elles apparaissent pour la plupart dans des livres les psautiers et les heures qui servent eux-mêmes à la dévotion bon, là on reparle du cadre dans lequel les livres apparaissent et euh, qui les a entre les mains et à quoi servent ces livres Donc, Questionner pas seulement la relation des euh, comment des, euh, des, des images au texte, mais la relation des images au contexte. C'est quand même important. De plus, la dévotion est en elle-même une forme d'imitation, comme l'a montré Butner dans un ouvrage qui s'appelle précisément Imitatio Pietatis. Donc, euh, l'imitation de, de la piété. Euh, son livre est consacré aux parallèle si fréquent dans l'iconographie entre un personnage biblique ou un saint en train de prier et un donataire ou un commanditaire qui l'imite. Ça, c'est des, des structures spéculaires, des structures en miroir que vous pouvez rencontrer euh, régulièrement hein, dans l'iconographie, d'un saint se livrant à une activité. Et euh, celui dont il est euh, le patron, donc, euh, donc euh, en général, on, on présente euh, un donateur ou euh, un commanditaire d'œuvre, euh, ou de chapelle, ou de ce que vous voulez, on, on le représente sous la tutelle de, de son saint patron, c'est-à-dire celui dont il porte le nom. Et là, on, on le présente, on peut le présenter en situation d'imitation des euh, de son patron, de son saint patron. Or, ce procédé est caractéristique des livres de prière. Ainsi, les psautiers dans le donc, livre de psaume, euh, les textes de David, que vous connaissez sans doute, euh, dont le possesseur, enfin, vous connaissez euh, au moins, euh, au moins le, je, crois, je crois que c'est le 51, mais je ne suis plus sûr, euh, euh, j'avais un seul dans la vallée de l'ombre de la mort. Euh, et je n'ai pas peur car mon âme est sans péché, je crois que c'est ça. Enfin, juste parce que c'est un psaume qu'on euh, qu dit, je ne connais pas, que là c'est très approximatif, mais qu'on le dit aux enterrements par exemple. David est censé, le roi David est censé être l'auteur de tous ces psaumes. Ce procédé caractéristique ainsi les psautiers dont le possesseur peut être représenté en prière dans la marge sur le modèle du roi David qui occupe l'initiale ornée ou se substituer à lui. C'est ainsi que dans leur psautier or, Geoffroy d'Apremont et surtout sa femme Isabelle de Kievrin se font constamment représenter en prière dans la marge devant la face divine émergeant d'un nuage le crucifix ou un saint, en se montrant ainsi bah, bon disciple du psalmiste. Le psalmiste, c'est l'autre nom qu'on donne euh, à, au roi David, c'est-à-dire celui qui a écrit, composé les, les psaumes. Mais on peut trouver aussi un singe harpiste qui joue le rôle même de David à l'intérieur de ce livre. Donc, ça, je vais vous le montrer parce que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Il est où le roi David avec sa petite li Il est là. Regardez ça. Hop. Le lien Mon Dieu Mon Dieu le coup de texte Pourquoi Le lien entre l'imitation des votes et les singes apparaît non moins clairement dans le livre d'heure dans le prétendu livre d'or de Marguerite de Beaujeu il revient à la charge. La destinatrice est représentée un grand nombre de fois en prière, le livre à la main, devant les initiales ornées. En particulier face à l'adoration des mages sur une page qui a fasciné Michael, Michael Camille. Alors, l'adoration des mages, vous voyez ce que c'est, hein c'est ce moment euh, décrit, euh, enfin, qui est très fréquemment représenté dans, dans, dans la peinture, notamment, mais enfin, pas seulement, c'est un moment d'iconographie très important qui fait souvent du doublon enfin qui fait double euh, qui fait miroir à l'adoration des bergers les deux adorations devant la naissance de l'enfant Jésus l'adoration des mages bah, c'est ce fameux moment où les rois mages euh, qui sont conduits par l'étoile de Bethléem jusqu'à l'enfant euh, Jésus euh, se présentent à lui s'agenouillent et lui offrent les trois cadeaux la mire l'or et l'encens donc ils sont au pied de l'enfant tenu dans les bras de la vierge euh, pendant que Joseph roupit en général voilà comme il le remarque, comme Michael Camille, donc, qui ausculte ces images et les commande, les singes parodient les mages, Ils parodient les rois mages. Il est significatif qu'ils soient au nombre de trois dans les bas de pêche, l'un d'eux tendant le doigt à la manière d'une mage désignant l'étoile, la fameuse étoile qui les conduit jusque-là. Camille non, interprète les singes comme une allusion à l'étymologie qui fait dériver, pardon, chez Isidore de Séville, hein, qui fait dériver simia de similitudo. Et présuppose un jeu de mots entre singe et cygne. Moi bon, qui croyais l'avoir inventé, c'est là, ben non, en fait pas du tout. C'est pas d'hier. Un jeu de mots entre singe et cygne, euh, signaux donc, pour affirmer qu'il constitue une parodie de la représentation ou de la mimésis en général. Et là, on en revient à l'hypothèse euh, d'un lien peut-être historique entre celle, la place que va prendre le singe euh, peu à peu dans l'iconographie prépond prépondérante à la Renaissance celle de figure de la mimésis picturale, c'est-à-dire de l'art d'imiter par les peintres, si vous préférez, on va dire ça comme ça, hein. donc une espèce de métonymie, de, de, de dire le tout par la partie, si vous préférez, une façon de, de, de dire une catégorie générale par ce, cette petite image du singe, de dire ce que serait l'imitation et l'art de l'imitation en général, donc plus et plus particulièrement celui des, des arts de la représentation que sont à ce moment-là la peinture et la sculpture. Mais bon. Virge dit, ça, cela est peu probable. L'un des rares métiers que ne fait jamais le singe dans les drôleries est celui de peintre ou d'enlumineur. Alors, ça, c'est hyper intéressant. On se posait des questions sur cette généalogie éventuelle entre la représentation du singe au Moyen-Âge et la représentation du singe à la Renaissance. Et là, on a un indice intéressant. On a, on a un petit bout de truc qui nous éclaire euh, là-dessus. C'est cool. Alors, on se pose des questions on a un embryon de réponse. L'assimilation du singe à la peinture existe bien. Il existe dans quoi Dans l'Anticlaudianus, qui est un livre d'Alain de Lille. Donc Alain de Lille, ça doit être, j'imagine, aussi un contemporain de, de ces gens. J'imagine que c'est un théologien du XIIIe. On peut savoir ça assez vite, je vais vous dire ça. Alors, qui es-tu, Alain de Lille Alors, c'est aussi... Euh, lui, il est à l'abbaye de Citeaux, c'est un, cister, un cistercien, euh, c'est un théologien français, effectivement, du XIIe. Voilà. Qui, euh, visiblement, meurt au tout début du XIIIe. Oh, il vit vieux, hein, il naîtrait autour de 1116 et il meurt euh, ben, euh, quelques 80 balais et plus après, en 1202, le pépère. Hein, c'est quand même pas mal, ça, une belle longue vie. On sait peu de choses de lui. Euh, il a enseigné à Paris. Il a assisté au fameux concile de Latran, mais euh, celui de... Ouais, donc c'est pas rien. Euh, et il a habité à Montpellier qui est à cette époque encore la grande cité, de la, bah, la grande cité des, des savants, des universitaires et aussi des médecins. Enfin, une ville très très importante à cette époque-là pour la médecine, la théologie, pour le, les savoirs en général. Donc il a une œuvre assez copieuse et donc il a écrit l'Anti-Claudianus dont je ne connais pas du tout... Le sujet enfin, contre Claude, je suppose, mais je suppose, mais quel Claude, de quel Claude il parle, je ne sais pas. Et là, on n'a pas sa bibliothèque. Bon. Donc, on n'en saura pas beaucoup plus par euh, la toujours très euh, approximative et incomplète Wikipédia. On va se démerder avec le peu qu'on a. Enfin, on, va, on va faire avec, c'est pas grave. Donc, lui, il en parle de cette assimilation du singe à la peinture, mais elle ne se développe, comme je vous l'ai déjà dit depuis le début de ce live, qu'à la Renaissance. En revanche, Camille n'a pas remarqué que la dame, dans le cadre qui nous préoccupe, imite à son tour l'image. Son agenouillement répète celui du plus vieux des rois, et ses vêtements sont de la même couleur que lui. Un singe, lui, est à son tour affecté et porte le socle sur lequel elle se tient. D'accord. Je regrette de ne pas avoir l'image. Là, ça c'est con. Ça aurait été vraiment bien de voir ça. Ah oh là 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 là. Hmm. Il y a même un singe ailé à la, à la manière d'un ange. Une chose qu'on a pu voir, mais à, à l'époque... Euh, enfin à l'époque. Au moment où dans cette configuration particulière, sur le tympan de la porte des orfèvres euh, à l'église de euh, euh, Comment... Euh, Saint-Jacques de Compostelle, il avait une place démoniaque, ce qui là n'est sans doute pas le cas. Hein. C'est plutôt une vraie parodie euh, d'ange custode, je suppose. Cette vision sarcastique de la dévotion imitative n'est pas isolée. Dans les heures de Jeanne de Navarre, exécutée à Paris vers 1340, donc là on arrive à, à peu près à la fin de notre période des marchés à drôlerie, exécutée à Paris donc vers 1340 par Jean Lenoir, la reine a prié également à la manière des mages, et ce n'est pas à la Vierge et à l'enfant qu'elle adresse ses prières, mais à un évêque hybride d'allure plutôt diabolique. Encore le buisson ardent. Tu veux dire là euh, à quel là où ce qu'on regarde là non pas bah, du tout ouais, c'est le roi David donc non. Tu penses à autre chose de plutôt dans le, plutôt dans, le dans le texte. Hein Je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Entre les médecins, les écoliers, les clercs, les dévots, le dénominateur commun est le livre. Et il y a fort à parier que ceux qui s'en servaient aient été assimilés à des singes. La chose peut paraître bizarre. Ça c'est assez intéressant, mais elle s'explique assez bien. Les manuscrits de luxe que nous évoquons, en grande majorité des livres de prière, appartenaient à des aristocrates qui devaient généralement lire avec peine et dont ils étaient souvent le seul livre. Ça coûtait une petite fortune en plus de se faire faire un livre enluminé. Donc c'était un signe de richesse important. C'était pratiquement un devoir moral d'avoir un livre d'or ou un psautier ou quelque chose de ce genre. Mais ça se faisait avec grand frais, évidemment. Donc devant le singe à l'arbre, ça ne peut pas être ça, euh, Kratos, puisque c'est euh, le singe à l'arbre, c'est le roi David. Donc on est très très loin de l'anecdote du buisson ardent. Juste une très jolie figure décorative. Lorsqu'ils contiennent des prières en français, on peut supposer que le destinataire ne comprenait guère le latin. Hein, sinon, pourquoi y avoir impliqué des, des prières dans une langue vernaculaire Donc, il ne comprenait le guère le latin, qui était bah, la langue des clercs. Lorsqu'ils n'en contiennent pas, il est possible que celui-ci ait été bon latiniste, mais il est plus probable qu'il ne lisait pas du tout. Il faut pas croire, les chevaliers étaient très rarement des C'était euh, plutôt des rustos pour la plupart à ce moment-là. Il semble que tous les psaumes ne soient pas de David. Alors, ça, c'est plus que probable, Zazio. C'est juste. Euh, comment on peut dire C'est une hypothèse canonique. Voilà, c'est tout. Quand on dit les psaumes de David, c'est qu'on se range derrière. C'est comme quand on dit que les évangiles sont de tels évangélistes. On sait tous que ils sont produits à des dates qui sont beaucoup trop disparates, que c'est pas d'un tel ou d'un tel. On sait que les thèses de, de Denis laréopagite ne sont pas de Denis Lariopagie, de donc qui serait le, le compagnon de, de fortune de Paul, mais d'un autre Denis, d'où son, son le nom sous lequel on l'appelle désormais, le pseudo-Dénis, etc., etc. Donc, oui, il y a un usage de parler des psaumes de David. Je doute qu'il soit de David, euh, effectivement. Face à son livre, le laïc était au difficile défi d'apprendre à lire s'il voulait s'en servir de passer de longs moments à imiter les clercs, à déchiffrer, à répéter leurs prières latines sans trop les comprendre, au lieu de se livrer aux exercices physiques ou à la danse. Hein, Pourquoi il était sans doute plus. Euh, habile j'imagine et puis peut-être plus attiré par euh, ses activités on comprend qu'il ait pu se sentir dans la situation d'un singe qui en imite d'autres et moi ça je le comprends très, très bien quoi les, les... pendant quelques années de ma vie j'avais décidé de me rapprocher euh, euh, me rapprocher de la vie religieuse donc j'avais décidé d'aller euh, tous les vendredis au Shabbat, et puis le samedi matin etc mais moi j'ai pas du tout eu d'éducation religieuse pas du tout du tout et c'est très drôle parce que l'expression que j'ai employée quand je suis euh, au, au, au début, les premières fois où je revenais de la Synagogue, dans un drôle d'état, à la fois j'étais enthousiaste, c'était très beau, très équitant, et à la fois j'étais dans un état de malaise tout le temps, et quand je me décrivais, je parlais de moi comme d'un singe habillé. C'est le terme que j'ai employé pour parler de moi dans une Synagogue c'était je suis un singe habillé. Chacun de mes gestes me paraissait grotesque, emprunté, imitatif, et ça n'avait pas... J'avais du mal à y placer, évidemment, du sens, j'étais pas en adéquation, en harmonie avec ce que je faisais, trop dans une situation de pure imitation, voilà, et parce que, évidemment, c'est celle que devait vivre... C'est ce que vit de toute façon quiconque se livre à une nouvelle activité. Il faut une prémisse qui est quasiment mensongère. Cette prémisse, c'est se dire qu'on est légitime à faire un truc alors que ce n'est pas encore complètement vrai. Vous voyez, euh, c'est vrai artistiquement. On commence toujours par une prémisse mensongère. On se dit qu'on est artiste avant même d'avoir vraiment fait des œuvres d'art. Mais c'est la condition pour laquelle eh bien, on, va, on, on va décider que c'est vrai et on va s'y mettre. Alors. Euh... Ah, tu veux dire, ils ne sont pas traditionnellement tous attribués à David Ah bon D'accord. Ah, je crois que c'était le cas, moi. Euh, D'accord. Alors là, pour le coup, tu m'en apprends une. Tu sors du lurk. Salut Blob, tu vas bien Ce stream est exactement ce que tu cherches. <laughs> J'en suis ravi, Blob. Tu me fais bien plaisir. Donc je comprends ce que raconte à propos de ces pauvres, <laughs> ces pauvres chevaliers qui font l'acquisition d'un bouquin et qui s'essayent à imiter l'éclair, l'étrange situation dans laquelle ils se trouvent. On poursuit avec les singes et les oiseaux. C'est assez intéressant, les hypothèses de Virs, vous allez voir. Il est pourtant une activité favorite des singes, qui se passe en plein air et n'a apparemment rien à voir avec la lecture, rien à faire avec elle. C'est l'oisellerie. Alors, ceci n'a pas non plus échappé à Johnson. Johnson, vous vous souvenez, en voir Johnson, il en parlait au tout début de cette lecture, donc, qui a travaillé sur l'iconographie du singe, essentiellement. Alors, je vais vous chercher par rapport à ça, on, à l'oisellerie. Voilà. L'image de tout à l'heure qui est assez intense. Qui est belle, hein. Voilà, voilà. Donc, on regarde ça. Cela non plus n'a pas échappé à Johnson. Il cite Hildegard de Bingen. Donc, Hildegard von Bingen, c'est une théologienne extrêmement importante. C'est euh, une écrivaine copieuse. Alors, je crois qu'elle est... Elle est plus précoce. Je la daterai du 11e, mais je vais peut-être dire une connerie, donc je n'ai pas du tout envie de vous dire des bêtises. Donc. Hildegard a beaucoup écrit, copieusement. Euh, alors, elle est morte au 12e et... Elle est née en 1098. Elle est née au 11e, le bon, mois fin 11e, hein, je l'ai un, euh, un peu vieilli. Euh, on lui doit euh, une œuvre extrêmement copieuse. C'est une visionnaire. Elle a des visions absolument stupéfiantes. Et euh, elle les a consignées euh, toutes. Et mieux encore, elle les illustre. Les, euh, je peux vous montrer rapidement euh, des enluminures. Euh, de l'île de garde -2 vous voyez et si vous voulez on pourra faire un live entier sur île de garde von Bingen parce que parce qu'elle est géniale, euh, c'est très brillant, c'est complexe, c'est savant, c'est très riche. Il y a une dimension encyclopédique à son œuvre euh, donc, qui pourrait nous permettre d'étayer. Euh, si on, on parle du, euh, du Liber Floridi, euh, euh, de Lambert de Saint-Omer, ou si on parle de Herat de Landsberg, euh, de, hum, de tous ces livres encyclopédiques richement illustrés, on fera un petit crochet par Hildegard von Bingen parce que c'est important. Euh, c'est une femme importante, ses visions sont importantes, ses enluminures sont importantes, euh, et c'est très beau. C'est pas simple, enfin clairement, c'est pas, pas les enluminures les plus faciles à, à saisir, à, à déchiffrer. Il euh, y a une dimension mystique aussi qui rend inaccessible, à moi en tout cas, une bonne partie de l'écriture de, de Hildegarde, mais ça reste un moment euh, important de l'écriture médiévale. Les psaumes de la main, nous dit Suze, mais oui, les psaumes de la main. On peut pas dire qu'en matière de calembour, tu un poil dans le psaume de ta main. Ça, clairement pas. <laughs> Vraiment pas. <laughs> Voici hein, le caractère encyclopédique de Suze qui doit être à sa millième page de calembour <laughs> depuis sa naissance, j'imagine. Il faut faire œuvre, Suze. Il faut collationner tout ça. Donc Johnson cite, il de regarde Bingan, selon qui les singes enragent de ne pouvoir imiter le vol des oiseaux. Voilà ce qu'il dit. Il remarque l'association, donc il Johnson, l'association fréquente du singe aux passereaux qu'il cherche à piéger et qui représenterait l'âme du chrétien. Le singe s'associe également aux échassiers. Vous voyez, hein, les, ces oiseaux à très longues pattes, les grues et à la chouette, qui symboliserait respectivement le paganisme et le judaïsme, dans l'iconographie donc euh, chrétienne. Parce que pour moi, la chouette, c'est pas spécialement juif, hein, c'est plutôt grec, c'est plutôt athéna, la chouette, vous voyez. Euh... Il paraît pourtant peu probable que ces moralisations, donc cette façon de, de relire, de relier tropologiquement ces images à un, un sens moral, hein, euh, que ces moralisations aient beaucoup à la compréhension des drôleries. Donc, il est plutôt contre ça, contre les abus de raccourcis rapides pour essayer vraiment d'interpréter abusivement toutes ces marches à Car aucun détail ne vient jamais expliciter l'une ou l'autre d'entre elles. Du reste, elles sont loin d'être systématiques dans les textes. À s'en tenir au bestiaire, la cigogne est prise en bonne part, tandis que l'ibis témoigne du goût du pêcheur pour l'ordure sans aucune allusion au paganisme. Donc il reste sur le bestiaire d'Ildegarde. Quant à la chouette, Janssen remarque lui-même qu'elle représente chez Conrad de megenberg le mauvais prêtre qui souille l'église de ses péchés. Alors, la chose qui ne rend pas évidemment l'iconographie simple, c'est que euh, bah, les théologiens, ils ont tous leur petite marotte et ils sont contemporains ces gens. Ça veut dire que les enlumineurs, comme les sculpteurs, comme les peintres, comme les graveurs, leur sont contemporains. Ça veut donc dire également que dans leur vision, leur conception, leur bestiaire, ils font un choix. Ils font un tri, c'est pas comme s'il y avait une espèce d'unité, euh, une sorte de bestiaire officiel. On ira piocher, bon, on va prendre. a aujourd'hui, on a envie de parler d'inceste. C'est quoi euh, euh, l'animal qui représente ça Je sais pas, oui, ça doit être ça. Donc évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Ça n'a aucun sens. Donc du coup, vous pouvez imaginer euh, que euh, vous pouvez imaginer que ça rend très complexe une espèce d'approche un peu systématique et complexe et probablement hasardeuse, une approche systématique de la lecture d'iconographie, de, de, de au moins à cette période si foisonnante. Plus généralement, rien ne permet de supposer que les drôleries soient fondées sur les moralisations du bestiaire ou des prédicateurs et qu'elles se prêtent à un déchiffrement allégorique ou tropologique. Donc les, je vous ai parlé euh, tout à l'heure euh, des, des sens euh, de, de la lecture. Hein, et euh, je vous ai évoqué ça, je vous ai évoqué les sens de la lecture, donc euh, tropologique, allégorique, euh, littéral et anagogique, c'est les quatre sens de, de la lecture. C'est peut-être un truc dont on parlera, où ça pourrait nous permettre par ailleurs. De, de relier ça à d'autres bah, je pense que ce sera le bon moment quand on se fera ce fameux live sur le jardin de la connaissance parce que ça prend corps aussi dans une image importante du jardin qui est une image juive elle, qui est le paradis jardin de la connaissance qui commence euh, aussi euh, par Péchat, donc le sens littéral, s'achève par Sode, le, le, le sens euh, vraiment mystique, et vous retrouvez cette composition en sens de la lecture, évidemment, chez les chrétiens. Il y a, a d'autres choses qui s'y accoquinent, il hein, y, a, y a notamment des ajouts faits par euh, Thomas d'Aquin, qui complexifient encore un peu ce, ce rapport à des degrés de lecture, des connaissances de la lecture, mais bon, là, on est, euh, on est dans les tentatives de, de lecture thrompologique et anagogique. Salut à toi, Bromberg que je pensais avoir vu passer tout à l'heure, et eh bien non, si ça n'était pas le cas, je te dis bienvenue. Donc lui, Wirst dit que c'est pas la peine de se livrer à un déchiffrement allégorique ou tropologique. Donc allégorique où vous chercheriez une valeur pour une autre, une espèce de composition de la lecture ou des images où telle chose vaut pour telle autre chose. D'une façon générale, la question allégorique est vraiment assez réductrice parce que même dans des cas, enfin, à part quand vraiment on va donner dans l'allégorie la plus pure, ce ne sera pas les meilleurs moments de l'histoire de là, croyez-moi, mais hein. euh, c'est rarement le cas au Moyen-Âge. On vaut mieux parler de construction métaphorique où il euh, y a tous les glissements que la métaphore offre fait que les figures sont moins des porteurs de sens que des opérateurs de sens. Il vaut mieux les prendre comme ça, avec une certaine plasticité. Je pense que c'est plus juste, hein. Mieux vaut tard que jamais, mais bien sûr, hein, mieux vaut tard que jamais. Si les singes se livrent volontiers à la fauconnerie, peut-être c'est pas la peine les calembours les calembours sur fauconnerie les gens, parce que là, là je vous sens parti. Et là, ils ont tous été effet. Hein, c'est vraiment pas la peine. Si les singes se livrent volontiers à la fauconnerie, ils ont une prédilection pour le piégeage des oiseaux. Comme pour la médecine par exemple, la proportion normale de singes engagés dans une activité particulière est largement dépassée. Sur 64 scènes de piégeage d'oiseaux, qui sont repérées par Randall, donc vous voyez cette euh, analyse systématique, hein, 36, soit plus de la moitié, mettent en scène des singes et non des humains. Donc là, on a vraiment un trop puissant hein, d'organisation euh, du discours euh, iconographique. Au piégeage, ça s'ajoute parfois le dénichage d'oiseaux, mais aussi la couvade. Donc on peut voir des singes couver des œufs, et ça, ça, je vous ai trouvé. Les singes couvant des œufs. Alors c'est où C'est quand même pas banal. C'est là. Alors là c'est pas vraiment le singe qui couvent un œuf, ceci dit. C'est <laughs> plus complexe que ça. On a un moine qui semble faire une élévation de l'hostie. Donc c'est le geste habituel de l'élévation de l'hostie, sauf qu'il élève un œuf caillou que je sais pas quoi c'est. Euh, la consommation de, de eucharistique se fait par une femme singe et euh, il y a un autre singe donc euh, derrière le moine et c'est le moine qui fait la couvade. Voilà donc là une image assez tordue, assez compliquée. Plusieurs niveaux euh, d'approche, euh, pas simple. Le singe est assis sur les œufs parfois. Il en mire un de temps en temps pour s'assurer de sa fertilité, avec un geste qui évoque quoi bah, On en a parlé tout à l'heure, irrésistiblement, celui du médecin mirant les urines. Occasionnellement, il réchauffe les œufs, posés près d'un foyer, en excitant le feu avec un soufflet. Il peut encore voler les œufs, couvés par un homme pour les gober. Si le singe piège les petits oiseaux, il est souvent victime des gros principalement des échassiers, qui lui enfoncent leur gros bec dans le fondement. Alors ça, je crois qu'on a un singe qui se fait titiller le cul par, euh, par un oiseau, c'est là. Voilà. Plusieurs fois, ce traitement donne le sentiment d'une punition. Le singe est ainsi agressé lorsqu'il piège d'autres oiseaux, lorsqu'il barate, euh, lorsqu'il s'occupe d'un nourrisson, fait la lessive comme une femme, manie un encensoir ou s'agenouille devant un évêque, remplit un pichet en tirant une, un fossé de barrique au derrière de son compagnon. Je ne sais pas ce qu'est un fossé de barrique. Si quelqu'un a le courage de voir dans la en ligne, chercher fossé de barrique, ça s'écrit comme un fossé d'une voie de fossé. Euh... On enfin, faire cuire un œuf de singe. Pas drôle. La chasse était couramment au Moyen-Âge une métaphore de la poursuite sexuelle et elle est restée. C'est aussi le cas de ses formes inférieures, comme le piégeage d'oiseaux. Dans le psautier douce, 5-6, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, hein, par exemple, une femme s'empare d'un homme avec un piège à filet. L'allemand a gardé ce sens, alors ça c'est intéressant, à vogeln ou vogeln, qui signifie. À la fois oiselé et copulé. Un vogel, c'est un oiseau. Vogel ou vogel, c'est à la fois oiselé et copulé. Un oiseleur, qui se dit un vogler, est un homme à femme. Et un nid, nest, peut désigner l'organe sexuel féminin. Donc là, on a, euh, on a vraiment une composition riche pour nous permettre de comprendre le cadre. Un robinet, tu penses que le fossé est une cheville de bois qu'on utilise pour boucher le trou de prélèvement. Ah oui, donc, donc je vois bien l'usage qu'on peut en faire dans une espèce de construction anale. Ça devient très intéressant. Oui, ces petite cheville sur un tonneau pour en goûter. Merci, Kradus. Merci, Suze. Vous êtes gentil comme tout. Voilà. Le V se prononce Feu. Vogel. Ein Vogel. D'accord. Moi, j'ai oublié mes souvenirs d'allemand, alors. Ah oui Tu dirais Feu Ein Vogel? Vogel? D'accord, peut-être. J'ai oublié. Vraiment là, complètement oublié. Oui, je suis assez d'accord. Euh, la vision de Zaziap est très juste. Ce chat est lui-même une marge. Une marge à drôlerie. C'est complètement ça. Je crois que cette remarque est particulièrement pertinente. La prochaine fois, je fais un setup rien que pour vous. Je compose un setup façon marge à drôlerie avec euh, où je délivrerai tout l'espace de la marge pour y impliquer euh, oui, le, le chat. Je pense que ça va être assez, assez marrant. Mmh. Aux gloser. oui, aux églosés. Donc c'est très intéressant là, ce petit détour, euh, notamment, évidemment, parce qu'on a vu une large extension de ces caractères euh, iconographiques et de ce type d'enluminure dans l'Est euh, le, de l'Europe. Le fabliau intitulé « De la pucelle qui vouloit voler » repose tout entier sur l'assimilation du coït au vol des oiseaux. Tandis que le roman de la Rose, dont on a souvent parlé ici, hein, utilise la métaphore de l'oisellerie pour la séduction des femmes. Je ne peux que trop vous encourager à lire un hein, roman de la Rose. Je sais que c'est un peu rédhibitoire l'idée qu'on s'en fait de la littérature médiévale. Et euh, des livres principaux de cette période, qu'il s'agisse bah, du roman de la rose, de lire Baudouin de Condé, de lire Rudebeuf ou Cassin et Nicolette, toute cette longue période de production poétique assez géniale, qui part du XIIIe et qui va bah, jusqu'à la Renaissance, on la laisse un peu de côté. Et euh, elle est, enfin, à part peut-être les, les romans de chevalerie, qui sont, je crois, un peu lus, enfin, on lit, je crois, assez copieusement les, tous les récits euh, de la table ronde, mais. Euh, on laisse un peu les autres, alors que c'est vraiment très très chouette et c'est hyper important. Enfin, en lisant le roman de la rose, il y, euh, y a beaucoup de choses que vous pouvez mieux aborder, mieux comprendre d'un esprit général euh, et pour abrocher même l'iconographie. Euh, ben c'est vraiment pas mal de lire le roman de la rose. Le thème, de, enfin qui est deux romans hein, en vérité, quoi. <laughs> le thème de la couvade a fait l'objet d'un article de Liliane Randall, donc là, la, personne qui fait, la femme qui a fait cet inventaire systématique dont on parlait au début. Elle pense à un jeu de mots entre être coué, c'est-à-dire posséder une queue, et couver, qui pourrait aussi s'étendre à couar, l'homme qui couve étant généralement un lâche et un efféminé. On dirait, on dirait Jean-Pierre Brisset, cette façon de le lire. Vraiment là, pour le coup, c'est un peu étrange. Or, il est fréquent d'insulter les Anglais en les prétendant couer. Ne rencontrant pas la couvade dans les manuscrits anglais, mais uniquement en France du Nord et en Flandre, l'auteur conclut qu'il s'agit d'une plaisanterie anti-anglaise dans les marges à drôlerie des environs de 1300, l'attribution de la couvade à d'autres personnages comme le moine ou le fou étant plus tardive. Ouais. Aucune scène de couvade ne, convient, ne contient d'allusions décelables aux Anglais, et rien n'atteste, à un jeu de mots du reste assez difficile à faire, hein. entre l'adjectif coué et le verbe couver. Les singes se caractérisent précisément par l'absence de queue et peuvent cependant être associés à la couvade. Là, on le voit bien. Effectivement, tous les singes à queue nue qu'on voit là sont des singes sans queue. D'autant qu'on a, on a compris la, la métonymie euh, de genre ou d'espèce pour euh, le singe à cette période-là, c'est le babouin. Donc un singe sans queue, un singe à, à très fessu et sans queue. On dit babouin pour singe. Merci Barbacano pour le follow, c'est très gentil et bienvenue à bord. Alors, il y a quelque chose de très spécial avec la production de cette époque. C'est à la fois très lointain et en même temps, tu en trouves une sensibilité très proche de la nôtre. Potache est sérieux dans la démarche. Bah, C'est difficile de le dire parce que comme on lorgne nous-mêmes beaucoup du côté du Moyen-Âge pour réalimenter notre désir de produire des images, dans ce sens-là, on fait exister des occurrences qu'on a aimé y trouver. Donc, euh, on peut le lire dans ce sens. Ça a des effets considérables sur nous. Euh, ça n'induit pas nécessairement une vraie familiarité. Bien que, enfin, à titre personnel, par exemple, je trouve plus simple de lire la littérature du XIIIe que de lire la littérature tardive. Je me sens plus familier, même de la langue hein, de Baudouin, par exemple, que de celle de Montaigne, qui me pose beaucoup plus de difficultés. Enfin, bon, tout ça, on s'en fout un peu, mais il euh, y a les molos avec les analogies, même si j'entends hein, ce que tu dis. Il euh, y a aussi les idées qu'on se fait du sérieux de la Renaissance, par exemple, et c'est une fausse idée. Euh, c'est aussi une période qui est très très riche en caricatures en littérature satirique euh, mais on fixe notre attention sur ce que les siècles disent d'eux-mêmes aussi et euh, précisément euh, les, les lettrés de la Renaissance ont beaucoup travaillé à décrire leur propre époque sous l'égide d'une espèce de sérieux d'une autorité de la raison etc. Il ne euh, faut pas trop accorder de crédit à tout ça mais j'entends ce que tu dis Il est probable, beaucoup plus probable, euh, selon lui, selon Jean Vierce, hein, que le thème de la couvade dénonce l'homme efféminé en général, au même titre que le thème apparenté de l'homme enceint, qui existe dans la littérature de cette époque. Hein. Euh. Dans les deux cas, l'inversion des rôles sexuels est présentée comme une transgression et châtiée par des coups. Ainsi pour le roi de Thorelor qui est enceint dans un bouquin très célèbre qui est très chouette que je vous invite à lire, c'est Aucassin et Nicolette. Quand on parlait de cette littérature de cette période, il faut lire Aucassin et Nicolette, c'est vraiment chouette. C'est pas très épais, vous pouvez le trouver, j'allais dire en bilingue, en tout cas en version translittérée et dans le texte chez, chez GF par exemple qui publie ce genre de choses, Garnier Flammarion. Euh, un tantinet, si c'est hétéronormé, bah oui. Mais pas tant que ça. Il enfin, y a des aspects par lesquels ça l'est vachement moins que la société contemporaine. Parce que nous, nous héritons surtout de la vision hétéronormative du 19e siècle, qui est beaucoup, beaucoup plus violente, beaucoup plus tranchée et euh, beaucoup moins souple sur ces questions que euh, le Moyen-Âge dont on est en train de parler. Ce côté rabelaisien avant l'heure, c'est spécifiquement français. Non, les marges à drôleries bordelleuses, comme ça, on les trouve en Flandre et en Angleterre aussi. <laughs> Donc, ce n'est pas spécifiquement français. Et euh, le, le goût pour, euh, oui, pour la, la, la digression bavarde, etc., euh, non plus. Mais à cette époque, le monde de la pensée, il n'est pas, pas très franco-centré. Tu vois, le, les intellectuels, il y en a beaucoup qui viennent d'Angleterre, et puis aussi du Nord. Enfin, tout ce qu'on appelle de, très largement l'école rhénane, ce sont des intellectuels et des théologiens de plein de pays différents. Ils peuvent se réunir effectivement à l'université de Paris, mais ils emmènent avec eux leur monde. Et euh, alors. Duché de Bourgogne, toi t'es né à Dijon. D'accord. Oui, déjà, il faut voir ce qu'on appelle la France à cette période, bien entendu. Au Cassin et Nicolette, ils ne viennent pas d'être condamnés en justice. Qu'est-ce que c'est Ah, j'ai dû rater un truc au Cassin et Nicolette. Qu à quoi tu fais allusion Tu fais sûrement allusion à un truc que j'ai raté. Tu vas nous dire tout ça. Et on retrouve ça aussi d'un homme qui couve dans un conte russe du 19e siècle, et on retrouve ça aussi, l'homme enceint. Ah ça je ne l'ai pas lu hein, dans Toine de Maupassant. J'ai lu Maupassant, j'ai lu des nouvelles, toutes sortes de récits, mais je n'ai pas lu Toine, ça ne me rappelle rien. Trou de mémoire. Donc Lisez, hein, euh, comment euh, Aucun Saint-Nicolette. Lisez Guillaume Deloris et Jean Deming, les, les deux les étonnants rédacteurs du... Euh, du roman de la rose, parce que c'est chouette. Dans les marges à drôlerie, la couvade s'ajoute au comportement féminin de l'homme ou du singe qui entraîne leur châtiment par des oiseaux à gros becs. Si l'homme battu est ainsi assimilé à la femme, dont c'est le traitement ordinaire, l'agression par les oiseaux le féminise encore plus. Donc c'est le traitement ordinaire, on entend des femmes d'être battues. Je vais avoir beaucoup de mal à défendre mon pauvre Moyen-Âge avec ça. Leur bec est en couramment une figure du membre viril, comme chez le troubadour Arnaud Daniel. C'est un troubadour chez lequel on peut trouver cette figure du bec bit. Ah, Jackie et Michel ont été... D'accord, ils sont en procès en ce moment. Ça m'étonne moyen. J'ai toujours regardé plus ou moins leurs activités comme très largement une espèce de réseau proxénète. J'ai du mal à y voir juste une activité innocente présentant des couples libres et consentants. Mais bon, c'est un monde assez distant, donc ce n'est peut-être qu'une idée reçue. Continuons avec Arnaud Daniel. Celui-ci explique dans un poème satirique qu'un long bec est nécessaire pour corner au cul donc pour souffler au cul. Pousser une corde au cul d'une dame sans se salir. Oh ben bravo. Et il évoque aussi l'utilisation d'un fossé de barrique, c'est-à-dire de l'objet que nous avons vu utilisé par des singes à des fins semblables. Le fabliau est intitulé Celle qui fut foutue et défoutue par une grille par une grue, pardon, repose pour sa part sur l'assimilation de l'oiseau tout entier à un pénis. Les rapports des singes et des oiseaux semblent donc riches en allusions sexuelles. Tantôt les singes essaient avec plus ou moins de bonheur d'oiseler, c'est une pratique, vous l'avez compris, hein, qui métaphorise la relation hétérosexuelle. <laughs> Tantôt ils se livrent à des activités féminines ou à des pratiques scatologiques qui suggéraient plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui l'homosexualité. Bon, le terme est un terme moderne, mais bon, un accouplement euh, contre nature, qui n'est pas euh, extrêmement. Enfin, il vraiment. C'est à cette période qu'on va commencer à y voir très clairement euh, où des mots d'ordre vont être énoncés contre ces pratiques, mais euh, jusque-là, ça ne fait pas, pas partie des obsessions euh, cléricales. Alors, on pourrait penser que ça n'a rien à faire avec leur goût pour l'écriture, mais une étude de l'ethnologue Daniel Fabre sur les autobiographies du XVIIIe et XXe siècle oblige quand même à regarder les choses de plus près, même si là, on est très loin de notre période. Cet auteur montre en effet que la chasse aux oiseaux, est un thème récurrent de ces textes et qu'il s'agit d'une pratique des garçons, étroitement liée à l'apprentissage de la virilité et aux premiers émois sexuels. En même temps, l'oisellerie métaphorise un autre apprentissage, celui de la lecture. Pourquoi bah À cause de l'image du langage des oiseaux. Là, je vous renvoie aux innombrables tableaux qui, qui présentent et qui métaphorisent ça. Les abécédaires se remplissent d'oiseaux. Depuis le XVIIe siècle, donc bien après notre histoire. Et dans sa vie de fille belle, Jean-Paul Richter fait de l'inventeur fictif de l'abécédaire le fils d'un oiseleur. Il serait imprudent de reporter sans un autre procès ces données sur le Moyen-Âge. Bon, on est d'accord, lui-même dit OK, il y, y a quelque chose plus tard, mais on va quand même y aller mollo sur les gros raccourcis. On est OK là-dessus. Hein. Soutien critique de la part du streamer du Moyen Âge. <laughs> Le Moyen Âge qui dérape. Tout qu'il semble que les relations politiques impliquent des rapprochements physiques de diverses sortes entre les hommes. Euh, les relations politiques au Moyen Âge, tu veux dire? Euh, je vois pas trop de quoi tu parles. Il faudrait que tu me dises et que tu sois plus précis. Parce que c'est à peu près cette période, enfin c'est un peu, un peu après la période de nos, nos belles illustrations qu'on va condamner pour des pratiques sodomitiques les Templiers, cest dire qu'on va armer euh, ce crédits là pour en faire un instrument euh, euh, d'une condamnation, d'un jugement, un, un, un instrument légal si vous voulez. Euh, Qu'est-ce que tu dis ?« Relation entre seigneur et vassal et leur officialisation ». Ouais, alors ça, je sais pas jusqu'à quel point on doit entendre cette, euh, cette chanson, si c'est euh, légendaire ou avéré, euh, je ne sais pas, voilà. c'est pas un domaine que je connais bien, je vous dirais, la chevalerie. Donc il dit qu'il faut y aller mollo, hein, avant de se reporter sans autre procès, euh, euh, de reporter ces données-là. Le Moyen-Âge, mais il est tentant de chercher quel lien peut bien unir oisellerie, sexualité et lecture à cette époque. Bon. Donc, du coup, on est aussi en droit de se demander bah, pourquoi ce crochet-là, euh, 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 Jean hein, tu fais exactement le même genre de zigzag que tu reproches souvent à, à tes euh, concurrents sur le terrain de l'iconographie. Mais bon, on s'en fout. Allez, on pardonne tout à Jean -Virce. Si les rapports entre l'oisellerie et la sexualité sont bien attestés, L'oisellerie n'a à première vue pas grand-chose à voir avec la lecture. Pourtant, la chasse et surtout ses formes inférieures, la pêche et précisément le piégeage des oiseaux sont des métaphores bien attestées de la mémorisation. Bon, ça, ça a été relevé par Marie Caruthers hein, dans un bouquin qui s'appelle The Book of Memory, qui est une histoire de la mémoire euh, dans la culture médiévale. Vous pouvez trouver ça, je pense que ça a été traduit en français, je l'espère. Or, que fait cet auteur cet auteur, qui est donc Marie donc lui écrit auteur, mais c'est une autrice quand même. Cette autrice montre que le livre était pensé non pas comme un substitut de la mémoire, mais comme un outil pour mémoriser. Lire, c'est mémoriser, soit les verbats, donc les mots, hein, soit les restes, donc les choses, hein, le mot ou le contenu des textes. À plus forte raison, l'apprentissage de la lecture dans le psautier, ou plus tard dans l'abécédaire, repose sur la mémorisation, ainsi que celui de la grammaire. Ce n'est donc, donc pas exactement la lecture, mais l'activité étroitement associée de la mémoire qui explique les métaphores de la capture. Par ailleurs, plus appropriée que celle de la chasse, a hein, figuré l'apprentissage de l'écrit et l'utilisation du livre. D'accord. Ça me semble quand même un lien euh, secondaire. Le... Langage des oiseaux, oisellerie, je ne sais pas. Il euh, faudrait voir de nombreuses illustrations où les oiseaux apparaissent pour voir quel crédit on peut apporter à cet étrange raccourci. Alors. Ah oui, clairement. Oui, non, mais ça, j'ai insisté pour dire tout à l'heure, euh, Brandberg, pour dire que clairement, le, le terme homosexualité est un terme vraiment très, très tardif et médical. Donc, euh, on ne peut pas le rabattre sur les catégories de comportement sexuel du Moyen Âge, ça n'a pas de sens. On est d'accord. C'est complètement absurde. Alors. Donc, ce n'est pas exactement la lecture, mais l'activité étroitement associée de la mémoire qui explique les métaphores de la capture. Par ailleurs, plus appropriée que celle de la chasse, à figurer l'apprentissage de l'écrit. Il reste à voir ce qui peut bien apparenter cette activité-là à la sexualité des singes. On est OK? Ça, ça coule pas de source. Donc quelle est la thèse du texte Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Jean Qu'est-ce que tu nous dis Le sexe des singes. Le singe de la Roman est un pêcheur, viril et libidineux. À Saint-Gaudens, donc Saint-Gaudens, je crois que c'est vraiment dans le sud-ouest, très bas, euh, pas très loin, je crois, d'Albi dans mes souvenirs, ou à Droiturier, par exemple, des chapiteaux le représentent de face, le singe, exhibant de puissants organes. Alors, bon, c'est normal, à Saint-Gaudens, je crois que c'est une église du 11e ou 12e, donc les, les choix enfin, sont très souvent frontaux. La, la représentation frontale des figures, elle va lentement disparaître au profit d'agencements d'un autre ordre. Et la représentation frontale, c'est vraiment un vis-à-vis, -vis, on pourrait dire, d'instruction. C'est un rapport direct de, de la, la, la figure au regardeur, qui est un rapport de discours, qui est, qui est une destination. Il est d'autant plus intéressant de constater que le singe des marges gothiques a perdu ce caractère, sans pour autant devenir une femelle. La représentation de son pénis est rare, encore qu'on l'ait vu passer hein, tout à l'heure. Je ne sais plus où, mais je crois qu'on c'était assez clair sur certaines figures de singes. Alors, viens là. Voilà, là celui-ci est discrètement membré. Ouais, celui-ci n'a pas l'air de l'être, c'est un peu de la surinterprétation. Alors, alors, j'avais l'impression que l'évêque de tout à l'heure à Mitre. Ouais. Bref, non, c'est un peu vite dit. Effectivement, non, il a plutôt l'air asexué. Je... C'est un abus. Ils font caca, ils font toutes sortes de choses, mais euh, on ne voit pas visiblement leur pénis. La représentation de son pénis est rare, mais si on trouve parfois des guenons dans les marges, elles sont très minoritaires et se reconnaissent à leur mamelle. Même lorsqu'ils exécutent des tâches féminines, le singe des marges est généralement un mâle. Efféminée et, et non pas une femelle. Le chanteur médiéval Brassens a chanté Garogori. Oui, c'est vrai, c'est tellement vrai, ce troubadour. Il est représenté de profil et ses hanches cambrées mettent en valeur son postérieur. Comme celui qui donne la fessée, peut-être là Dès la fin du XIIIe siècle, dans environ un manuscrit sur deux, le Pêtre montre distinctement la calvitie des fesses et l'orifice anal. Donc ça, on l'a beaucoup vu effectivement dans les représentations de saint Jacques nu euh, auxquelles on a été confronté jusque-là. Alors là, celle-là est différente. C'est une parodie, euh, ouais, une parodie de, des romans amoureux. ces petit. Alors ceux-ci sont, sont très velus. On n'en a pas vu beaucoup euh, des très velus. Évidemment, là, le singe recevant un coup de bec dans le cul, on voit d'autant plus son anus, mais on voit qu'il y a une contorsion de volontaire de l'image pour pouvoir quand même figurer l'anus, même si le singe est de profil. Voilà. La disparition de la virilité du singe et l'insistance sur son postérieur renvoient très probablement à un ancien lieu commun. Le singe n'a pas de queue et son derrière est encore plus laid que sa face. On trouve déjà chez Phèdre la fable du singe qui convoite un morceau de la queue du lion. Donc, ça, c'est dans un isopée. Euh... Non, pas dans un isopée. Qu'est-ce que je raconte Les isopées, c'est les poèmes d'Ésope. Donc, c'est comment s'appellent les textes de Phèdre euh... Je n'ai pas lu Phèdre, hein Donc, euh... à part évidemment la pièce de racine, mais ça n'a absolument aucun rapport. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de Phèdre hmm et de, de ses ces textes. Tu t'en vas, Zasiop, Écoute, à plus tard. À plus tard. Alors, lu, ça signifie lumineux en grec. Bon, on s'en fout. Philosophe grec. Septième époux. Auteur latin de fables. C'est celui-là. C'est un auteur du début du premier siècle. D'accord, Caius Lius un fabuliste d'origine trace. J'ai jamais lu ça. Ça doit être pas mal, j'imagine. Inspiré par Ésope. Il le dit, c'est Ésope qui a trouvé la matière première. Moi, je l'ai poli en vers sénère. Les vers sénère, c'est une forme de vers latin particulière. C'est des, des vers qui sont proches du des vers hein, Je Le trimètre iambique. Alors, euh, voilà, il. Euh, donc, comment s'appellent ses œuvres hein, Qu'on sache. Euh, vrai. Donc il y a un recueil qui s'appelle les fables épisopiques de Phèdre. Donc parti sur les isopées, donc les, les, les fabliaux des Voilà, voilà, voilà. C'est un recueil de fables. qu'on pourrait, qu pourrait, trouver lire un isopède, mmh, un isopée. Mmh, oh c'est bon ça, bravo. <laughs> Alors depuis tout à l'heure les sexes peu représenter. Mais oui, on peut représenter. Oui, on voit plutôt des, des miches. Euh, Kradus Margiakov. Ouais, effectivement. Et je m'en rends compte en feuilletant. Euh, euh, tu nous laisses également à bientôt, Clint. À, à bientôt. Ésope, c'est pas lui qui a piqué plein de fables au Moyen-Orient. Euh, je sais pas, il était égyptien, Ésope. Hein. Euh, donc, je peux pas t'en dire plus. C'est quelle période, Ésope Je dirais deuxième avant Jésus-Christ, mais je suis pas sûr. Ah non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Il est phrygien, il est pas égyptien. Je vous dis que des conneries. Euh, septième siècle avant l'ère chrétienne, la vache. Euh, du coup, euh, bon. Les sources d'un homme du 7e siècle avant l'art chrétienne, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Là, on touche... On est très au-delà d'une période de l'histoire que je puisse connaître. Euh, C'est pas du tout ma spécialité, les gens. Donc s'use. Euh, on sort complètement. Même pas de ma zone de confort. On sort de ma, de ma zone. Ma zone de visibilité. Je ne vois plus rien, là. On est très au-delà. Il me faudrait d'autres lunettes pour voir à cette distance temporelle. On est à l'endroit où je ne sais vraiment rien, il faut le dire clairement. Donc, on en était sur la mise en valeur de son cul dès la fin du XIIIe siècle, dans les environs dans environ pardon, un manuscrit sur deux, le peintre montre distinctement... Tata. Ah oui, j'étais dans les isopèdes, je, je radote là. On trouve déjà chez Phèdre la fable du singe qui convoite un morceau de la queue du lion. Dans l'isopède, donc dans le poème euh, d'Ésope, euh, euh, enfin, qui donne modèle à celui de Phèdre, ça devient la queue du renard dont il voudrait protéger son derrière comme d'un bouclier. Mais le renard refuse d'en orner le hors de queue du singe. Le bestiaire insiste également sur la laideur que l'absence de queue confère au singes, et il voit la figure du diable qui périra à la fin des temps. Alors que nous, on a plutôt une image d'un diable pourvu d'une longue queue. Il a pu s'inspirer de fables du Moyen-Orient, euh, au 7e avant l'ère chrétienne, d'accord. Donc des fables plutôt d'origine assyrienne, ce genre de choses. Hein. Mais là, par exemple, tu vois la chronologie euh, de. Ouais, J'ai beau avoir lu, euh, tu vois les, les textes antiques sur, euh, sur la les guerres euh, antérieures, euh, savoir lire Hérodote, des choses comme ça. Le Darius, c'est à euh, quelle période Mais non, c'est beaucoup plus jeune. Je suis con. C'est bien après. Donc ouais, dans cette période, en fait, septième, là, on est beaucoup trop loin, non Je connais rien. Euh, ben on pourrait découvrir ensemble, on pourrait lire des livres significatifs sur la Mésopotamie, ça nous permettrait de, de nous instruire en même temps. <laughs> Ce serait bien. Si l'on songe que l'animal noble par excellence, le lion, est pourvu dans l'iconographie et spécialement dans l'héraldique, donc l'héraldique, l'art des blasons, hein, d'une queue majestueuse qui s'enroule autour de sa cuisse, et que le lion diffamé, mutilé de sa queue, était porté dans les armes en signe d'infamie, donc les armes, les armoiries, les écus, les blasons, toujours, hein, il paraît raisonnable de voir dans l'absence de la queue celle de la virilité. Ça, on pourrait regarder si on trouve le lion diffamé comme figure héraldique, ça peut être pas mal, ça. On va regarder ce qu'on trouve. Hop, ça m'intéresse. Hein, que... Lion diffamé, héraldique. Parce que effectivement, le lion de l'héraldique, moi je ne le connais que avec une longue queue. Ah D'accord, on le voit là. Oui, avec une queue courte. Ah, c'est marrant, ça. Alors que nous, on le connaît plutôt comme ça. Hein. Voilà, ça, c'est l'image qu'on a. Et pas du tout celle-là. Donc ça s'appelle un lion bifamé. Et ouais. Et pas tant. Personnellement, faire de la diffamation contre un lion, tu trouves ça pas bien Oui, oui, je suis assez d'accord. faut pas faire ça. C'est risqué. Euh, moi, je dis diffamerai pas un lion. Hein. J'aurais vraiment peur pour mes miches, quand même. Alors, continuons. Bon, on en était. On vient donc de découvrir la figure du lion diffamé, mutilé de sa queue, qui peut être portée sur les armes, donc en signe d'infamie. Ça, c'est plutôt intéressant. Quant aux allusions à la sodomie, elles ont probablement été suggérées aux enlumineurs par un comportement bien réel des singes. Puisqu'on on le rappelle, au Moyen Âge, on, on aime bien, euh, on élève des singes en captivité, on aime beaucoup les montrer, s'en entourer. Pour reconnaître la supériorité d'un congénère, les primates prennent une attitude de salutation. Appelé la présentation, qui consiste à s'offrir à la monte. Ça, vous pouvez trouver ça dans plein de, plein de bouquins d'éthologie sur le comportement des primates. Vous ça Lui, il cite par exemple Éthologie des primates, mais c'est déjà vieux, c'est euh, Viclaire. Donc, euh, moi, je crois que enfin, ça a beaucoup changé l'éthologie. Dans l'éthologie contemporaine, <laughs> Il s'est passé énormément de choses, donc, notamment la prise en compte de l'Humwelt comme un caractère fondamental de l'approche des animaux. Ce n'était pas encore le cas à l'époque. Ça, c'est chez Wickler. w i c k -L -R. Les signes sociosexuels et leur imitation intraspécifique chez les primates. Donc, intraspécifique à l'intérieur de la même espèce. Dans l'éthologie des primates. Voilà. Bon, livre de 78. Je ne peux pas vous conseiller un livre d'éthologie de 78. Je pense que ce pas sérieux. Alors, tu dis, il existe aussi le meuble figure vilainée, c'est-à-dire dont le sexe est coloré différemment du corps, comme les griffes ou les crocs, en héraldique, et éviré, dont le sexe n'est pas figuré, qui est un caractère infamant. Non. Alors là, alors là. Je me suis jamais beaucoup intéressé à l'hérélique. J'y suis confronté bah, forcément dans, dans, dans les images, parce que vous voyez beaucoup de. Il y a ce qu'on appelle les litres funéraires, vous voyez, ces grandes bandes noires frappées de blasons et d'armoiries qui ornent régulièrement les églises, qui viennent parfois même recouvrir la lieu de fresques, hein, toute l'arrogance des puissants <laughs> Et euh, donc, du coup, je suis confronté aux armoiries régulièrement, mais il se trouve que les nobles, la noblesse, la cheval... je m'en bats un peu les, les couilles, je suis obligé de vous l'avouer, ça ne m'a jamais intéressé. Voilà. J'ai comme une sorte de problème avec euh, la vie passionnante des riches que, euh, qui m'emmerde autrefois comme aujourd'hui. Tu es un lecteur à assidu de Pastoureau. Moi, peu, parce que je trouve qu'il est fatigant. Mais euh, bon, il dit des choses. Euh, enfin, comment dire Je trouve que ces livres sont tous plus mortellement chiants les uns que les autres. Mais tous les contenus sont intéressants. Donc, je suis obligé de m'en fader un de temps en temps, notamment sur les bestiaires, sur l'histoire des couleurs, pour aller chercher des informations. Mais ce pas un gars qui. Euh, enfin, il n'est pas profond du tout. quoi. Il y a pas la, le début de la queue d'une idée. Donc, moi, ça m'emmerde. Pour moi, l'histoire de, de l'art, c'est vraiment un lieu de recherche où tu as des intuitions plus ou moins géniales. Enfin, c'est un travail de vrai chercheur. C'est pas juste un, un type qui part à la quête de fêtes ou de, euh, qui assemble patiemment les choses qui vont nous instruire. De, ça m'épuise, moi, de lire repasse tout. Je trouve ça horriblement emmerdant. Mais pardon, hein, je ne veux pas. Euh, je ne veux absolument pas vous décourager de le lire parce que, effectivement, pour accumuler des faits, des notions, euh, oui, euh, c'est assez. C'est très très riche, Pastoureau. Je suis bien d'accord. Voilà, voilà. T'adores adores l'héraldique Ah, d'accord. <laughs> d'accord, d'accord. Mais. Il y a des grands grands esprits qui sont passionnés pour l'héraldique. Ce hein. C'est pas c'est pas insignifiant. C'est comment c'est notre ami qui est notre ami à tous, Alfred Jarry, qui était un fou d'héraldique et qui vient picter ces textes d'héraldique, ces poèmes. Je trouve ça chiant d'accumuler des fêtes. <laughs> Bravo. Ouais, euh, oui aussi, mais c'est surtout mauvais pour la santé. Ça use de des fêtes. Alors, à propos de la sodomie, il est probable que les enlumineurs se soient inspirés de ces pratiques fréquentes lorsqu'ils prêtent aux singes une prosternation inversée pour saluer un supérieur comme l'évêque et que cette attitude ait été interprétée comme homosexuelle. Au sens, évidemment, il faut replacer ça dans un contexte où l'homosexualité, ça n'a pas beaucoup de sens d'en parler dans ces termes pour des pratiques. Social et sexuel du XIIIe et XIVe siècle. Hein, D'accord. Or, l'inversion sexuelle est en rapport au Moyen-Âge avec la grammaire et l'écriture. Alain de Lille, dont on a parlé tout à l'heure, le théologien Alain de Lille, écrivain Alain de Lille, puis Jean de donc un des co-écrivains du roman de la Rose, parle systématiquement de l'acte sexuel avec des métaphores grammaticales et assimile la sodomie au mauvais usage grammatical de l'écriture. D'accord, on encule la langue. Comme c'est étrange. En revanche, l'auteur d'un poème anonyme qui s'appelle Ganymède et Hélène, donc le poème, hein, qui compare les mérites respectifs des deux formes de l'amour et semble plutôt favorable à celui des garçons, fait remarquer que la grammaire unit le masculin au féminin. Ic et Ic grammatica debent copulari. C'est-à-dire qu'on accorde. Les, les termes, hein, on accorde le, le, le mot et l'adjectif masculin-masculin. Gauthier de Coincy fait la même remarque, mais il distingue, lui, la grammaire de la nature. Il lit la grammaire ic-à-ic à, à couple, mais nature maldite le couple. Donc euh, ça marche dans, dans la grammaire, hein, on nature ici et ici, ic à hic, euh, euh, on accouple les termes un, un, un à un, mais la nature mal dit le couple, elle maudit le couple naturel qui ferait la même chose. Dans les représentations de l'école des singes, le maître est souvent caractérisé comme clair, et les écoliers lui font la présentation, tandis que la fessée, quelle que soit sa fréquence dans les pratiques scolaires, évoque forcément l'analité. Ah, la fessée. Alors on est dans le baiser infamant. Hein. Qui nous renvoie un peu à, à nos histoires de cul. Alors, vous serez d'après, hein <laughs> d'apprendre que les bouquins de Pastoureau tournent beaucoup plus. Je ne suis pas du tout surpris. Je comprends très bien qu'il puisse passionner. ça n'est pas parce qu'il ne me passionne pas, moi, que ça emmerdera tout le monde. On est d'accord <laughs> Le comique marginal, donc le comique marches à drôlerie, le comique dans les mages, semble donc prendre parti pour Gauthier de Coincy, contre Alain Delisle, en associant la grammaire aux mauvaises mœurs. Or, on chercherait en vain cette association dans les textes modernes et contemporains présentés par Daniel Fabre, qui associe au contraire à l'apprentissage de la grammaire celui de l'hétérosexualité. Mais si, comme nous l'avons supposé plus haut, la représentation négative de l'école est due... À une réticence des commanditaires de manuscrits face à la tâche de lire et donc de mémoriser, on peut se demander si l'assimilation faite quelques siècles plus tard entre l'écriture et l'oisellerie ne vient pas à réhabiliter l'écriture en l'assimilant à un plaisir sexuel viril, ce qui serait dans la ligne d'Alain de Lille et de Jean de Meung, tous deux des clercs. Vous voyez. Quand même, c'est un peu galactique des fois, les hypothèses versiales. <coughs> Tandis que l'auteur de Ganymède et Hélène utilise la grammaire comme argument en faveur de l'homosexualité, les drôleries accuseraient la grammaire de conduire à l'homosexualité. On parvient à donner du poids à cette thèse, ah bah on aimerait bien savoir comment, en comparant plus finement la stratégie marginale de différents manuscrits et en distinguant mieux les cibles visées. Rapprochons-nous un tout petit peu. Nous avons fait grand usage et singeries du psautier 12-5-6. plusieurs fois qu'on fait allusion à ce psautier. Hein. Euh, particulièrement nombreuses et explicites, qui visent non seulement les clercs en général, mais encore la lecture et la dévotion. Dans le roman de la Rose, on en a parlé plusieurs fois, un genre de attaque bien plus sélectivement le clergé. Il considère la chasteté des, religi la chasteté, pardon, des religieux comme contre-nature. C'est intéressant. Mais il faut dire que le, le roman de la Rose, enfin en tout cas la partie de Jean Deming a posé beaucoup de problèmes pendant de nombreuses années, il a été vivement euh, condamné par de nombreux théologiens comme infâme. Tu as une question. Le texte que tu lis, les deux c'est un texte récent. C'est un texte de Jean ce qu'il a dû écrire, je pense, dans les années 2000. Quoi. Jean Vir, c'est un contemporain. Donc Jean Demingue de euh, dans le roman de la cause, la rose pardon, attaque plus sélectivement le clergé. Il considère la chasteté, la chasteté comme contre-nature. Et il enchaîne immédiatement sur la sodomie, laquelle consiste non plus à laisser oisifs les stylets et les tablettes que nous a donné la nature, donc euh, le, nos organes sexuels, mais à s'en servir de manière fautive. Donc là, clairement, il suppose au clergé des pratiques sodomitiques. Génius, parlant au nom de nature, hein, qui est une des allégories présentes, hein, qui est importante dans, euh, comment, dans euh, le roman de la Rose, propose la castration des sodomites, mais pas celle des clercs, qui l'engage au contraire à faire leur devoir de géniteur, c'est-à-dire à se marier, à ne pas être chaste. Dans le psaume 12, 5, 6, les singes sont finalement châtiés quoi qu'ils fassent. Même lorsqu'ils cherchent à oiseler, leur derrière est menacé. Autrement dit, que le clerc s'intéresse aux filles ou aux garçons, il est de toute manière punissable. L'anticléricalisme rejoint ici les normes ascétiques. Il n'en va pas de même dans un manuscrit du roman de la Rose comme le FR 25526, pourtant très anticlérical. Donc, euh, un de ces nombreux manuscrits du roman de la Rose qui est illustré. C'est de ça dont on parle. Hein. Ils le sont, il y en a beaucoup qui sont richement illustrés. On y trouve des scènes de dévergondage monastique, parmi les plus obscènes que le Moyen-Âge nous ait livrées, avec des nonnes cueillant des vites, donc des queues, des bites, hein, aux arbres ou se faisant culbuter. En revanche, les singes sont relativement sages. Il manque les thèmes caractéristiques de loisellerie et de l'école. Il est intéressant de constater que l'école des singes est remplacée à cet endroit par celle des lapins. Donc là, on revient à ce que je vous disais par rapport aux mots employés à cette époque pour le lapin, qui n'est pas un lapin. Un lapin sera attesté beaucoup plus tardivement. En même temps, et qui est donc conil, cona, même nom que pour parler du sexe féminin. En même temps, le programme iconographique se distingue en constituant une véritable exégèse du texte, donc une analyse savante si vous préférez, comme l'a montré Sylvie Huot. Il répond aux exigences d'un commanditaire lettré. Qui n'aurait aucune raison d'assimiler la lecture, lui, au crime contre nature. D'accord. Tu as trouvé quelque chose. Ah, tu as trouvé le texte de Jean Vierce. Bah, du coup, si tu as trouvé le texte, tu peux peut-être trouver le contexte. Savoir quel est le cadre dans lequel ça a été publié, quel est le livre collectif dans lequel ça a été publié, puisque c'est un article. Plus généralement, l'agression anale des singes, leur école et leurs activités d'oiseleur sont fortement corrélées. Corrèle toutes ces, euh, ces tendances de la représentation, essayer de trouver un vecteur commun qui les unisse. Ces thèmes tendent à se retrouver ou à manquer dans les mêmes manuscrits. Sur 23 manuscrits présentant des singes à l'école ou en train de lire, 13, soit quand même 56%, bien plus que la moitié, en montrent en train de piéger des oiseaux. Donc quand vous trouvez l'un, vous trouvez souvent l'autre. Et en nombre égal, en train de livrer leur postérieur sans défense. Donc on va trouver une espèce de concurrence oiselage, analité, étude. En Angleterre, cette thématique est pratiquement absente. Il y a un ou deux cas d'agression anale du singe, uniquement dans le psautier de Gorleston, mais jamais ni piégeoise d'oiseaux, ni école des singes. En gros, quand on voit l'un, on voit les autres. Quand on ne voit pas les uns, on ne voit pas les autres non plus. D'accord Ah, c'est une recension, c'est pas le texte. Du coup, le, la recension nous dit peut-être dans quel cadre se trouve ce texte sur les singes dans les marches à drôlerie. Parce que moi, je pas été voir à vers quoi tu nous lis. On n'oublie pas, hein, c'est un texte qui n'est pas extrait de l'énorme euh, somme de Janvier sur les marges à drôlerie en général. C'est un petit texte à part, qui n'est pas le gros livre que je vous montrais en début de live, qui est Les marges à drôlerie, qui est un, un bouquin général sur les marges à drôlerie. Ça, c'est un petit article qui s'appelle Les singes dans les marges à drôlerie. A contrario, une bonne partie des livres de prière du nord de la France et des Flandres, utilisent la figure perverse du singe comme celle du clerc lettré en général, ce qui suggère une attitude négative envers, envers la lecture et les dévotions que la lecture permet. Le singe se voit donc quoi Il se voit à la fois conférer une forte analité, une forte tendance à être pris dans des, des représentations où il sera question de son cul, et une tendance plus excusable à piéger les oiseaux excusable je ne sais pas ce que ça veut dire là on dirait que c'est janvier qui rajoute son grain de sel comme si la fortanalité n'était pas excusable je ne sais pas lorsque le singe et Wessler ou engagé dans d'autres activités qui évoquent l'hétérosexualité comme le maniement de la baratte sont postérieurs et fréquemment menacés d'agression la sodomie apparaissant ici plus comme un châtiment que comme un plaisir alors ici apparemment tu te plantais ah oui c'est une recension de l'ouvrage Général, oui, c'est ça. J'ai eu du mal, moi, à trouver, euh, effectivement, euh, je n'ai pas trouvé de, de renseignements sur cet article. Et mon problème, c'est que euh, je n'ai. Euh, comment Je n'ai pas. Euh, je ne me souviens plus du tout où j'ai trouvé ça. C'est chiant. Je ne sais plus du tout où j'ai trouvé cet article, je l'ai depuis longtemps. Donc, je suis désolé. Euh, voilà, je suis un mec décevant ce soir. Je sais que je vous déçois énormément. Je vous déçois terriblement. Je le sais, je, le sais, je le sais, je le sais, Donc, ici, elle, appartient, elle apparaît visiblement plutôt comme un châtiment comme un plaisir. Euh, nolens volens, donc euh, qu'on le veuille ou non, si vous préférez, le singe a reconduit un rôle passif et infâme. À travers lui, le lettré se voit à la fois condamné comme sodomite et condamné à se faire sodomiser. On ne peut manquer de mettre ces iconographies en rapport avec le changement complet du statut de l'homosexualité dans la deuxième moitié du XIIIe. Donc c'est à partir de là que ça va changer le, le, la relation à, à cet acte. Les études de Boswell et de Goodich ont montré qu'elle était auparavant un péché comme un autre et qu'elle n'intéressait pas les lois. Alors ça vous pouvez trouver un bouquin donc de euh, Boswell et euh, et Godditch, donc euh, Homosexualité dans, le Moyen -Âge, dans la période du Moyen Âge tardif, qui a été publié en 80 enfin, à Oxford, euh, et ça, ça a été traduit, euh, la, la persécution. Ah non, on trouve La persécution, sa formation en Europe, qui est un livre collectif sur le xe xiiie siècle, euh, publié en, en français en 91. Donc il y a deux sources. Peut-être que euh, le bouquin de Boswell et Godditch n'a pas été traduit, je ne sais pas. En quelques décennies, on est passé d'une tolérance remarquable à quoi À la peine du feu, c'est tout. Horrible, hein en quelques décennies, comme les clercs étaient particulièrement réputés à s'y adonner, comme on a pu entendre les reproches formulés à l'intérieur du livre euh, à, hein, de, du roman de la Rose, le passage à la répression est peut-être lié à l'apparition d'une morale sexuelle laïque valorisant la reproduction et les pratiques sexuelles qui y conduisent. Et là non plus, ça n'est pas de toute éternité, cette espèce d'obsession de la famille, de la, de la reproduction, etc. Il faut pas croire que c'est toute éternité. C'est en tout cas ce que suggère la lecture du roman de la Rose, hein, mais aussi le fait que le grief de Sodomie ait été utilisé par Philippe le Bel. Pourquoi bah Pour liquider un ordre religieux, celui des Templiers, et récupérer euh, leur pognon. Euh, dans les marges du vœu du Pan, dont on a déjà parlé, ce livre, hein, réalisé à Tournai vers 1350, les pratiques reprochées naguère aux templiers, dont le fameux baiser anal », ce que nous voyons là, là sont prêtées aux flagellants. Alors euh, Randall identifie visiblement les flagellants comme les, euh, les flagellants euh, aux, aux templiers, bien que leur costume corresponde rigoureusement aux descriptions contemporaines des flagellants. Donc il s'en prend encore à Randall dans les, dans les petites notes, le, le père Birch. Dans cet exemple, l'accusation de sodomie semble plus burlesque que sérieuse car la répression du mouvement des flagellants s'est faite sans aucune sauvagerie, euh, contrairement aux templiers qui ont quand même été un petit peu liquides. De même, les livres de prières aristocratiques se moquent du clergé et des dévots sans qu'il puisse être question de les exterminer. Leur portrait, en singe ceux de mythe, doit certainement être compris comme une petite vengeance face à l'obligation de lire pour être pieux. Non, ça laisse supposer, quand même, ce qu'il dit, une influence euh, directe des commanditaires sur le programme des marges à drôlerie. Si je comprends Jean Virse, cette petite vengeance ne pouvant être appelée que depuis, euh, depuis celui qui se trouve dans cette situation particulière devant la lecture et l'apprentissage. Au difficile accès au livre des laïcs répond l'impossible accès des clercs à une sexualité licite. Donc ça, c'est une thèse intéressante, ceci dit. Elle nous parle quand même de, bah, du fait que, que les livres partent d'un endroit et vont à un autre. Ils partent des scriptoria, c'est-à-dire des endroits où des moines euh, enluminent, fabriquent des livres, des, des maisons qu'ils vont rejoindre, donc de ces maisons de nobles. Ça nous parle des commanditaires. Donc euh, oui, ça nous dit quelque chose aussi qui ne saute pas forcément aux yeux, enfin, euh, ça, qui n'est pas facile à, à imaginer euh, pour motiver parfois, l'iconographie d'un livre. Ce qui est, moi, le, le plus intéressant, en, en tout cas, dans cette série de, de propositions de Virs, mais qu'on retrouve, euh, évidemment, euh, sous d'autres formes, dans le très gros livre et absolument passionnant bouquin euh, de, de, de sur plus général, sur les marges à drôlerie, il y a, euh, il y a, évidemment, le fait, euh, le, le, le lien qu'il fait avec le cadre de lecture, et pas seulement le texte. Ça, c'est intéressant. Imaginez que, que le, ce qui entoure la vie du livre, ce qui l'accompagne comme objet, comme objet éditorial, cette vie-là peut avoir des raisons plus puissantes de donner une certaine forme aux images qu'on y trouve que le texte que les images vont accompagner. Je pense que si on garde que ça en tête comme proposition, eh ben on est c'est plutôt intéressant. Voilà. Sur ce, mes très chers, je pense que c'est l'heure de couper court. On a vu à peu près tout. Moi, je vous souhaiterais bien bonne nuit, parce que là, Agnès est rentrée, on n'a pas mangé, donc je vais l'accompagner, je vais nous faire à manger. Et je vais vous dire bonsoir, et je vous propose un petit raid, un petit raid chez Aléa à la Bibli. Je ne sais pas ce qu'elle fait, je vous dis d'aller lui dire bonjour. Euh, soyez gentil, soyez attentif, et toutes ces sortes de choses. Euh, et dites-lui bonjour de ma part, parce que moi, je ne vais pas y aller. Voilà, voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt et bon raid!